Voilà. Oh, j'ai attendez, j'ai oublié de prendre un truc pour taper dessus et faire le début de l'émission. Voilà, comme ça, ça sature bien et ça fera bien chier mon compresseur dynamique. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on est énormément, on est plus encore que la fois dernière. On a bien relancé l'enregistrement. On a bien lancé l'enregistrement. Ah, désolé alors. Donc, ok, tu peux recommencer, ça sera plus simple. Non mais c'est pas grave. Ça enregistre là. Hein. Oui, ça enregistre. Ça enregistre, exactement. On va pas y passer 3 heures. Appuyez sur le bouton rouge. Je propose. Juste pour savoir, t'as lancé l'enregistrement parce qu'il faut oui, vraiment être sûr de. J'ai lancé l'enregistrement. Mais vérifie quand même que ça enregistre au cas où. Oui, ça enregistre quand même. Lance-le, relance-le. Est-ce que tu veux que je fasse un backup de l'enregistrement au cas où parce que... Moi, si tu veux, je peux enregistrer ici si tu préfères. C'est qu'en fait, j'ai entendu les deux sons comme quoi ça enregistrait d'affilée, donc je pensais que ça avait lancé un enregistrement. Oui, oui. Et Claude l'avait coupé. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir un jingle en s'embranle, s'il te plaît? Merci. Bon, alors, vu qu'on est beaucoup et que la dernière fois on a mis 40 minutes à se présenter, on va cette fois-ci envoyer un peu plus du pâté. Donc, on a perdu Xav. Ah merde, on a perdu Xav. Oh, c'est la boulette. Je crois qu'il est revenu. Il est revenu. Ah, il est revenu. Alors, ce que je propose, c'est que ceux qui étaient déjà présents aux éditions précédentes se présentent eux-mêmes rapidement. Donc, Anna Colute, bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu? Que fais-tu rapidement? Je suis Anna Colute et je suis en train de manger ma soupe. Parce très que bien. Je n'ai pas pris de sandwich. C'est un sandwich à la soupe. Ça me va. C'est vachement bon. Azertov. Moi, j'ai fini mon sandwich. Très bien. Blast. Ben moi, j'attaque le whisky. Hein. Ok. C'est pas un chouchou. Sandwich. Bonjour, je m'appelle Damien, je suis directeur de Pod Radio et je mange un bloc de sel transformé en saumon fumé. Très bien, il y en a un au moins qui a répondu à se présenter un petit peu, c'est cool. Cobal. Bonjour, moi c'est Cobal, tu peux me retrouver au 8-12-12 en envoyant le code... en envoyant le code Valnuit et tu recevras des nouvelles. Laurent Doucet. Non, il n'était pas là la dernière fois. Il n'était pas là la dernière fois. Non, il n'était pas là. Alors attendez, on va faire un truc. Laurent Doucet, qui n'était pas là la dernière fois, va être présenté par péremptoire. Oh putain. Alors Laurent, qu'est-ce que je peux dire? C'est quelqu'un qui me dit tout le temps que je suis un alcoolique sur Twitter. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Non, bah Laurent, on se connaît depuis combien de temps? Ouais, ça va faire 4 ans au moins. Au moins. C'est fou, hein. Comme le temps passe vite. Oui, mais j'ai pas grand chose à dire. En fait, je sais pas, c'est un podcasteur du Broclash. Merci. Et de 30 millions de podcasts annexes, hein, bien sûr, parce qu'il est partout. Il est même derrière moi, je crois. Et sinon, voilà, hein, c'est un podcasteur assez prolifique. En fait, c'est, je veux dire, c'est un très bon, bon pique-assiette, on va dire. Voilà, il est partout. Merci. C'est gros, c'est sympa. En mangeant. Laurent, as-tu des trucs à rajouter? Ou à non, compléter, non, c'est bien. Ou à préciser. Non, c'est à peu près ça. Voilà, moi je profite, je dîne tranquillement avec un petit traiteur italien très sympa près de chez moi, parce qu'en plus d'être pique assiette, je suis un bobo en plus. Hein. Ouais, not bad. Ça fait beaucoup. Non, mais c'est vrai que le traiteur italien pas loin de chez toi était très bon. Hein, pas mal, hein. Ouais, j'ai pas eu l'occasion de goûter. Voilà. Bon, j'étais là rapidement aussi, ça joue. Du coup, péremptoire, qui es-tu? Que fais-tu rapidement? Oh merde, péremptoire, 55 ans, podcasteur. Il picole. Podcasteur, voilà. Ok, Kenton, rapidement, qui es-tu? Que fais-tu? Je suis podcasteur dans l'équipe de connards de Techcraft, comme a dit Laurent Doucet avant. Très bien. Mais je vous aime quand même. Ensuite, Randall Flag, qui es-tu? Que fais-tu? Que oui, fais-tu bonjour, chez toi? Bonjour, je m'appelle Randall Flag, je suis assis devant un ordinateur, je fais plein de trucs sur internet, des potes. Tu aimes les coquillettes? Et j'aime beaucoup les coquillettes, en effet. Ouais. Très bien. Kenton, est-ce que tu peux nous présenter Seven, s'il te plaît? Oui, ça fait aussi partie de l'équipe de connards de. C'est ça. C'est ça. Pardon. Ça. C'était un co-animateur de Techcraft, en fait. Voilà. Seven, dans la vraie vie, il est portier et quand il est déprimé, il ouvre ses ailes. Il fait aussi partie de l'UNAPS, qui est en sommeil pour l'instant, mais. Que dire de plus, il a une chaîne YouTube où il excelle dans les jeux vidéo, les anciens jeux vidéo comme les nouveaux. C'est des jeux vidéo dans un tableur, donc. Et il est beau. Et je l'aime. Des jeux vidéo dans un tableur. Oh, ça sent faux. Il prend souvent avec Oasis. Voilà. D'accord. C'est la nature des choses à compléter, remplacer. Je vais compléter par le fait que je bouffe des tucs pour l'instant.
et que bah il m'arrivait quelques misères aujourd'hui, et si vous voulez, on pourra en parler plus tard. Eh bah, ben très bien, on reviendra vers toi tout à l'heure pour les misères. C'est toujours bon de rire du malheur des autres. C'est ça. Ça fait tellement du bien. Est-ce que tu peux nous présenter Super User, s'il te plaît? Super User est mon alter ego qui a un ego surdéveloppé d'ailleurs. Voilà. Très bien. Titours, tu n'étais pas là la dernière fois. Randall Flag, est-ce que tu peux nous présenter Titours, du coup, en vrai? Eh bien, Titours, qui est muet pour le moment, est un homme qui boit beaucoup de thé. Qu'est-ce que je peux dire encore sur lui? Qui participe dès qu'il peut à tous les podcasts, parce qu'il aime bien ça, il a raison. Twinings. Et qui préfère Lipton. Il préfère le thé Lipton et le thé Twinings. Et là, normalement, je vais me faire tuer. Voilà. Très bien, Titours, est-ce que tu as des choses à remplacer, compléter, frapper? Non, démuté, ça pourrait être pas mal aussi. Ça aidera, ouais. Non, bon, Titours. Non, il veut pas. Je crois qu'il a pris sa voiture pour aller te péter la gueule. TMDJC, toi qui étais là la fois dernière, présente-toi rapidement, que fais-tu, qui es-tu? Oh bah écoute, moi je suis sur internet depuis le début, ça doit être 1512 je crois de mémoire. Avant Jésus. C'était Christophe Colomb. Voilà. C'était un mardi en tout cas. C'était un mardi. Je me souviens également qu'entre le 9 décembre 1582, qui doit être le calendrier grégorien, et le 20 décembre 1582, qui est le calendrier julien, je n'ai rien fait pendant cette relativité temporelle. Hein. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter Xavier s'il te plaît? Eh bien, tout à fait. Xav, qui était avec moi justement à cette même époque, nous avons effectivement profité de cette relativité temporelle pour refaire le monde. Le seul problème, c'est qu'on n'était pas du tout d'accord, lui et moi, donc ça a donné ça. Ah bah bravo. Très bien. Xav, as-tu des choses à remplacer, compléter? Qui es-tu? Que fais-tu rapidement? Ben, en fait, c'est exactement ça. Je plus sois tout à fait. Et sinon, bah, je dois être un des rares à pas faire de podcast. Donc moi, je suis plutôt de l'autre côté à écouter beaucoup de podcasts et accessoirement à développer une app de gestion de podcasts. Qui est pas très connu. Donc on va peut-être donner le nom histoire que lui donner un peu de pub que les gens. Voilà, moi je suis sur iOS, je connais pas et je suis révolté. Voilà, exactement. C'est pas sur la pomme, c'est sur Android. C'est pour ça que c'est Podcast Addict. Moi, je suis sur Windows Phone et j'ai chié à l'IA. C'est mon héros! Ah, mais on est tous des fans! Ah, mais je peux pas vivre sans, quoi. C'est le truc. Mais ça a changé ma vie! Ah, mais moi, j'ai été 10 jours sans, c'était le drame, quoi. J'ai tout paumé, je retrouvais plus rien. Je dirais qu'une seule chose, c'est la seule appli Android que j'ai acheté. Donc voilà. Alors, moi, j'ai donné des Il y en a deux, c'est Kung Fury et Podcast Addict. Kung Fury, mais c'est trop bien ça. Ah ouais, non, c'est mes deux applis que j'ai achetées. Mais je tiens à te dire, Xav, ceci dit, que ma conjointe ne t'aime pas spécialement parce que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone à cause de toi. En fait, elle est jalouse de toi, je pense. Voilà. De Xav. Et au passage, je tiens à dire que notre serveur n'est pas très fan de toi et du don que tu nous as fait il y a un an et demi, quelque chose comme ça, de nous filer à peu près 7000 podcasts, l'histoire de nous, enfin 7000 flux RSS de podcasts, histoire de nous aider un petit peu à compléter le catalogue de PodCloud, ce qui a eu comme effet de faire ramer le serveur pendant à peu près la bagatelle de un mois et demi. C'était pas littéralement. Oh la loose. J'ai le même souci, mais on continue. Oui, tu m'étonnes. Et puis moi, je suis trop fier parce que dans Podcast Addict, il y a FreshPods, même s'il est plus fort que je mette ça, c'est cool. Et c'est trop bien. Voilà, enfin, donc, on a fait le tour en 9 minutes de tout le monde, ce qui est quand même une baisse de 30 minutes par rapport à la course. Surveille ta liste. Ah, Titours, c'est le retour. Titours, c'était pas là quand on t'a présenté? Non. Bah oui. Et puis Ayota. As-tu des choses à compléter sur ce que tu n'as pas entendu? C'est moi qui t'ai présenté, hein, ça risque de t'avoir. J'ai bien aimé le silence. Oh merde. Ah d'accord. Ok. Donc qui es-tu, que fais-tu non pas rapidement du coup, mais un peu plus. Ah mais non, parce que Titours, t'es parti pour les 30 minutes qui te manquaient là. Oh merde, Titours, je mange. Très bien, ça me va. Donc on a Iota de la tisane aussi. Salut. Qui es-tu, que fais-tu? Bah moi je fais animer nos mélodies, Iota. Eh oui. Voilà. Oh mon dieu, d'accord. Mais tu as changé, je suis en train de manger aussi. Mais c'est lui alors. Je sais pas, qu'est-ce que j'avais comme pseudo avant? Ton prénom. Je sais pas, moi j'ai l'habitude d'un Damien. Si oui, ouais, oui, c'est moi aussi. Damien. Voilà. Non, pas les Damiens, pas les Damiens, pas les Damiens. Il y a un Damien. Alors, Kenton s'est roulé en boule dans un coin. Non, sinon, c'est comme Candyman, il faut pas le dire trois fois. Ça, on fait un moratoire sur les Damiens. De quoi? T'as eu, c'est Damien Doucet. Non. Un jour, les Damiens domineront le monde, mais pas ce soir, parti à 102 de chez Microphone. Bon, moi ce que je propose c'est que on parle d'un sujet qu'on n'a pas pu traiter la dernière fois parce qu'au bout de 5 heures d'émission on n'était toujours pas arrivé à faire le tour de ce qu'on voulait dire.
C'était justement donc la limite entre un live et un podcast, entre un replay et un podcast pour être très exact. Comme je le disais en off avant l'émission et que je présentais le sujet, je vais le refaire là maintenant parce que j'étais très con, j'aurais dû le présenter que maintenant. On a imaginé un spectre où d'un côté on aurait un replay de la catch-up radio. On va dire que c'est un podcast fait par un France Inter par exemple. Là typiquement, la tête on est sur au carré. Un contenu qui est prévu. Voilà, on est sur un contenu qui est prévu pour de la radio et qui est disponible en podcast. Et de l'autre côté, on a des podcasts très amateurs. Je vais donner l'exemple du Damien Blog et Podcast, où c'est Damien seul avec son micro qui te parle dans tes oreilles. Là, on est clairement sur un podcast. Et au milieu, quelque part dans le spectre, on a Techcraft, par exemple, que Kenton fait, qui est enregistré en live. Très bonne émission. Qui est une émission qui est prévue et taillée en un sens pour le live, au sens qu'il nous casse les couilles avec démarrer exactement à la minute près à 21h. Alors que l'apéro du Capitaine démarre une heure après l'heure à laquelle ils ont dit qu'ils arriveraient. C'est quand ils sont en avance. Voilà. La différence entre les gens sérieux et les autres. Voilà, donc qui est taillé pour le live, mais que la majorité des gens écoutent en podcast. Donc, mais si tu veux, je pourrais t'expliquer pourquoi on a ce panel de diffusion très différent. Eh bien, explique donc. Bah, je termine la bouchée et après je t'écris. D'accord. Alors, quand même, je trouve ça très intéressant que Xavier soit là. C'est un vrai spécialiste. Lui a essayé 7000 podcasts qu'il avait fait. Qu'il a tous écouté, d'ailleurs. Voilà. Qu'il a tous écouté. D'ailleurs, c'est pas mal. Donc, on attend vivement ta parole d'expert. Tu lui mets la pression, là. C'est pas cool. C'est pas très sympa. Alors, mon avis, est-ce que la catch-up radio, c'est du podcast, c'est ça? Non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'à mon avis, je pense pas qu'il puisse y avoir une vraie séparation. Mais comment toi, est-ce que tu as dû gérer la frontière? Parce que nous, sur le catalogue de PodCloud, on s'est emmerdé à la gérer, ce qui nous pose problème, d'avoir le catalogue de podcast et d'avoir la catch-up radio qu'on a un peu exilé dans un coin, parce que c'est notre ligne éditoriale de faire ça, de mettre en avant les podcasts indépendants. Il a fallu que tu définisses ce que c'était que la catch-up radio. Voilà. Est-ce que toi, parce que je vais être très honnête avec toi, je n'ai pas ton appli, je tourne de l'autre côté du côté obscur de la force. Voilà, du côté paumé de la force. J'attends que tu sortes l'application sur iOS. Bouh! Oui, très bien. Merci, les amateurs. Donc, du coup, est-ce que tu as géré ça de ton côté? Alors, Si je reprends la jeunesse de l'application, en fait, à la base, c'est juste un projet que j'ai développé pour moi à l'époque pour me faciliter l'écoute des podcasts et puis parce que je voulais me mettre au dev Android. Et initialement, de disponible, il n'y avait que les podcasts, c'était à l'époque de NoWatch, donc il y avait les podcasts NoWatch et les podcasts, après il y avait l'ADC et compagnie qui sont arrivés. Et c'est tout. C'est tout ce qui était disponible et c'était hardcodé dans l'application en dur. Il n'y avait pas de serveur et ensuite il y avait juste la possibilité d'ajouter manuellement des flux RSS. Ouais. Donc ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y avait de la demande pour fournir un catalogue et initialement le catalogue c'était moi qui le renseignais. Il n'y avait pas de radio. C'est moi ou on l'a perdu Non, c'est toi. C'est toi. Ton ampli, redémarre ton ampli. Ton ampli. Et puis finalement j'ai craqué, j'ai fini par écouter et rajouter la radio au final et je fais pas la distinction entre catch-up et podcast indépendant dans l'application. Ouais. Finalement, c'est ce que fait aussi iTunes de la même manière. Enfin, moi, je retrouve. Ouais. Mais en fait, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique à la France. Alors. Je pourrais pas faire le tour de tous les pays, mais en France, principalement, si je regarde les stats, c'est quasiment que de la catch-up radio, qui est considérée comme podcast et qui est écoutée, à quelques exceptions près. Et par contre, d'autres pays comme les US, où là, c'est principalement du podcast. Alors, indépendant, c'est du podcast indépendant, mais dans le sens où quand même les gens se sont professionnalisés. Ouais, c'est pas fait dans des gros studios quand même, ouais. Alors, il y a une différence entre podcast amateur et podcast indépendant. Podcast amateur, on peut considérer qu'effectivement les professionnels ne sont pas dedans, et il y a le podcast indépendant qui est hors des chaînes de médias traditionnels. Voilà, c'est ça. Donc, mettons-nous d'accord sur les terminologies d'abord, quoi, effectivement.
Voilà. Ouais, il y a un truc que je trouve assez amusant quand j'écoute des podcasts de la Ketchup Radio de Classique 21. Et à la fin de la capsule, il y a cette séquence est également disponible en FM. Je trouve ça extrêmement drôle qu'ils rajoutent sur la séquence téléchargée le fait qu'on puisse aussi l'écouter sur Classique 21 en FM. Je trouve ça extrêmement drôle. Sur France Inter, ils font l'inverse, ça veut dire que quand ils font des émissions, moi j'écoute 2-3 émissions de France Inter, de France Culture, ou à la fin, ils disent vous pouvez réécouter en podcast, oui, etc. Ouais. Alors qu'on est effectivement, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter en podcast, bah, c'est comme ça qu'on le fait. Et j'ai trouvé assez amusant que Classique 21 fasse l'approche inverse et dise bah, oui, si vous l'écoutez en Ketchup Radio, bah, c'est que peut-être que vous ne savez pas que vous pouvez aussi l'écouter en FM. J'ai trouvé ça excellent. Ouais, ça c'est nouveau par contre en FM. Autant le coup, on peut l'écouter en podcast, ça fait longtemps qu'on l'entend, mais... Mais parce que c'est en dur, entre guillemets, dans l'émission, vu que c'est le présentateur lui-même, dans le cas d'Alfer Sensible que j'écoute, qui est un des rares podcasts de France Inter que j'écoute, effectivement, à la fin, c'est le présentateur qui dit, n'hésitez pas, vous pourrez trouver cette émission sur le site de France Inter. Oui, mais l'inverse n'avait pas encore existé, quoi. Mais j'avoue que c'est super intelligent de faire ça à l'inverse. Bien sûr. Oui, Damien, tu as une question ? Oui, question un petit peu con... Mais vraiment con. Comment on peut podcaster une émission France Inter, sérieusement, avec les droits d'auteur, tout ça, on ne peut pas réenregistrer une émission. Oui, alors de France Inter. Là, c'est parce que France Inter, ils ont pas compris le terme podcaster en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pas compris que quelqu'un qui podcast, c'est quelqu'un qui met en ligne sous la forme d'un podcast, et quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui écoute. En fait. Oui, il y a souvent un problème d'une manière générale, chez les producteurs de contenu professionnel, une incompréhension entre ce que c'est que podcaster, ils confondent poditeur et caster en réalité. Après, l'intérêt que je trouve et moi je suis très content que les émissions que j'écoute, d'ailleurs, il y a la plupart des émissions, je les écoute quasiment jamais en direct sur la radio. Moi, j'écoute plus jamais sur la radio. Jamais sur la radio. Mon intérêt à moi, c'est de la récupérer et de l'écouter quand j'ai envie et de me faire des. Et je prends un exemple, j'écoute une émission qui s'appelle 42e rue, qui est sur les comédies musicales, et je me suis rattrapé un an et demi de. Et c'est super, quoi. C'est hyper agréable de se rattraper une année de trucs quand tu découvres une émission en cours, quoi. Comme à la télé. La question que je me pose, Phil, c'est pourquoi est-ce que tu juges que c'est une question à se poser? Pour moi, j'y vois aucune différence, je m'en fous complètement, surtout effectivement dans la mesure où on a une application de type Podcast Addict qui on cherche une émission, qu'elle soit amateur, indépendante, américaine, européenne, ce qu'on veut, bah elle arrive dans ton téléphone de la même manière. À la différence des États-Unis, comme disait Xav, c'est que il y a une on est écrasé en France par la catch-up radio. C'est-à-dire que si tu sépares pas les deux, on ne verra jamais les petits podcasts. C'est vrai. Alors, pour répondre directement à ta question, en fait, et effectivement, c'est exactement ce que disait Cobal, je suppose. Non, c'était Randall. Vous avez presque la même voix, en fait. Comme on est beaucoup, j'ai un peu du mal. Bref, le choix qu'on a décidé de faire sur PodCloud, de séparer la catch-up radio des podcasts, c'est justement parce que tout ce qui est Radio France, tout ce qui est Europe 1, on va prendre l'exemple de Nicolas Canteloup au hasard, il te truste le classement et écrase les indépendants et les amateurs. C'est vraiment une question de mise en avant. Donc là, c'est une question de ligne éditoriale sur PodCloud. Et en ayant cette ligne éditoriale, se pose la question de la frontière qu'il y a justement entre... par exemple, je vais avoir tendance à mettre dans ce qui est la catégorie replay sur PodCloud, non seulement les podcasts des radios traditionnelles, mais aussi les podcasts tirés de web radio. Parce que ça me paraît juste si j'ai cette frontière-là. Et allons plus loin, un événement qui est prévu pour être en live comme le 27 sur 24 se retrouve dans la catégorie replay parce que c'est avant tout un live et que c'est le replay d'un événement. D'accord, ouais. C'est l'histoire d'être juste jusqu'au bout dans la logique. Feel Good. Imaginons Feel Good, une émission le dimanche soir, tu vois, entre 21h et 23h, qui est en direct, et après t'as un replay. Alors finalement, après elle est disponible en podcast. Alors c'est quoi ? C'est sachant que elle est pas sur une radio, elle est sur un site. Exactement le cas de Techcraft, par exemple. De Techcraft ou des sondiers, par exemple. Voilà. Toutes les éditions de Radio Canada. Alors, quelle est la nuance ? Et c'est là où moi je suis un peu d'accord avec
avec Blast. Je prends Podcast Addict. Moi, la différence, elle se fait. C'est facile. Hein. Quand je télécasse un truc, j'ai un gros logo marqué France Inter, France Culture, France Machin. Moi, la différence, elle se fait là, c'est tout. Ouais, je suis comme ça. Ouais, aussi, je suis d'accord. Ouais. Mais là, oui, du coup, si c'est une émission qui se fait toutes les semaines heure fixe, on est aussi dans, un peu dans l'événementiel, comme tu disais, feel good. Justement, d'où ma question, où se situe la frontière ? Je vous la pose. Voilà. C'est parce que je la suis posée moi et que j'ai pas de réponse satisfaisante. L'intérêt de poser la frontière ou décider la frontière n'a effectivement d'importance que si on définit des classements, des ordres, des statistiques, des mises en avant ou des choses comme ça. Moi, en général, et c'est peut-être, en tout cas, c'est mon cas, pour décider d'écouter un peu, faut que j'en entende parler. Je fais pas de recherche a priori. J'écoute une fille un podcast et puis j'écoute ce qu'elle a écouté et puis en général je me télécharge un épisode ou deux pour voir si ça me plaît c'est en général via que j'arrive à récupérer des noms de podcasts qui peuvent m'intéresser toujours. Et que j'écoute et donc le problème... j'ai pas ressenti d'intérêt à aller regarder un classement en me disant tiens celui-là il est en tête je vais aller jeter une oreille. Oui, je comprends que tu puisses en avoir besoin ou que d'autres cherchent justement. C'est pas tant que j'en ai besoin, c'est que je considère que c'est entre guillemets ma responsabilité. Si mon but c'est via PodCloud, c'est de mettre en avant les podcasts indépendants et j'ai pas mal de retours de gens qui me disent qu'ils ont découvert des podcasts grâce à PodCloud. Si la philosophie de Podchose au sens général, donc l'asso, est de mettre en avant le podcast indépendant et la liberté d'expression des citoyens lambda, tu comprends que cette frontière, je dois la définir. Ouais, alors, je comprends. En fait, tu viens de la dire, la frontière. Podcast indépendant. Et qu'est-ce que tu fais, justement? Ouais, mais c'est vrai que comment tu définis indépendant, pas tous en même temps. Il y avait Seven qui voulait parler, je laisserai la parole aux autres ensuite. C'est gentil. Qu'est-ce que tu fais, justement, des radios amateurs? Parce que, justement, elles sont pas professionnelles, mais elles sont pas en podcast, elles sont un peu le cul entre deux chaises, là. Et ben justement, c'est là où je me retrouve le cul entre deux chaises et où j'ai fait le choix qui est tout ça à fait... Ça fait mal, hein. Oui, c'est pas très très agréable comme position. Ouais. J'ai fait le choix qui est purement objectif, subjectif, l'inverse d'objectif, de faire au jugé, en fait. C'est-à-dire que si j'ai une émission qui est clairement taillée pour du direct et qui est faite par une web radio étudiante, d'accord. Et ils ont quelque chose où les gens appellent, ou qui est vraiment, on va dire, pas l'équivalent de D-Fool en version amateur, mais presque. Personne connaît D-Fool. Adresse pas des gens de mon avis. Je sais pas, on va prendre Max. Ce n'est pas ça. Pour les plus vieux. Je connais pas Max. Des gens, je connais même pas Max. Ah, salut, c'est Max Meynier, voilà, les routiers sont sympas, ma jeunesse, toute mon enfance. Donc là, je vais avoir tendance à dire que c'est du replay, mais c'est vrai que c'est un peu, c'est pas complètement la bonne solution quand d'un autre côté je mets Techcraft qui est où la place du chat est importante, où je le mets pas dans replay justement et je le mets dans podcast. Mais voilà, c'est pour ça que. Du coup, la frontière entre la catch-up radio dans laquelle on pourrait inclure les web radios amateurs et le podcast, pour moi, elle est extrêmement floue. Et c'est pour ça que du coup, je voulais votre avis, je voulais votre catch-up radio, c'est des professionnels. Ça reste, on va dire clairement, si tu veux catégoriser, ça reste des professionnels. Bah alors du coup, faudrait trouver. Ouais, un autre mais après, nom tu fais quoi d'Arte Radio, par exemple? De quoi? Tu fais quoi d'Arte Radio qui diffuse des capsules mais pas en direct alors que c'est des professionnels? Et il s'appelle Arte Radio, c'est mais c'est pas du quoi? J'ai pas compris. Pour moi, parce que je suis pas, je connais pas. Pour moi, Arte Radio, je trouverais plus que c'est Arte Radio, c'est du replay, sont des capsules diffusées, enfin enregistrées, préparées. Et ils sont uniquement en podcast? Ouais, c'est uniquement sur le web. Uniquement sur internet. C'est pour ça que c'est pas cette différenciation qu'il faut faire. Le problème, c'est que tu vas sur Europe 1, par exemple, il marque bien « Écoutez nos podcasts ». Et tu vois qu'il y a les heures de diffusion de l'émission, et c'est quand même des podcasts. Mais ils les remettent en podcast, oui. La question de l'interaction avec le public, justement, se pose, parce que si tu définis qu'un podcast indépendant qui diffuse en direct et qui réagit avec son public, c'est de la catch-up radio, il y a aussi pas mal de radios professionnelles qui ont très très peu d'interaction avec leur public.
Et du coup, ça, c'est paradoxal. Bah, tout ce qu'on écoute, j'en reviens à France Culture, France Inter, enfin, sauf des émissions où c'est dans les lignes éditoriales d'avoir le téléphone sonne, au hasard. Ouais, le téléphone sonne. Mmh. Enfin, si t'écoutes la plupart des trucs, c'est vraiment, il y a de l'interaction, c'est pas le but. Si je prends La Tête au Carré, qui fait partie des chouettes émissions de France Inter, il y a pas mal d'interactions avec le public via Twitter. Ou via leur site qui permet au public de poser des questions aux invités. Donc, on peut pas dire qu'il y ait pas d'interaction. Il y en a pas forcément énormément. Alors, mais si on prend les sondiers, on a un peu d'interaction avec le chat. On lit ce qui se passe. On peut réagir en direct. Mais on n'a pas énormément d'interaction avec le public non plus. Et puis là, souvent, c'est par téléphone. En plus, je disais, qu'est-ce que tu fais des émissions qui cumulent les deux? C'est-à-dire que nous, on avait Tosti à un moment sur Bagropoint, on avait notre émission mensuelle qui était en live, et l'émission était remontée derrière avant d'être diffusée en podcast. C'est-à-dire qu'elle était vraiment prévue pour être écoutable en podcast sans avoir besoin de lire un chat où on n'avait pas tout le détail, on virait les blancs. Enfin, c'était vraiment deux émissions différentes qui avaient la même base d'enregistrement. Ben justement, c'est pour ça, moi je en fait, si on pouvait ensemble réfléchir à une bonne solution pour trouver un nom et une façon de classer pour que moi sur PodCloud je puisse continuer à avoir cette ligne éditoriale de mettre en avant les indépendants. Ah, tu me demandes de faire ton boulot quoi. Ouais. Non, c'est pour ça là. c'est un scandale. Alors, j'ai envie de dire carrément oui, d'accord, je vais l'assumer. Oui, j'aimerais bien que ensemble on trouve une meilleure solution que celle que j'ai trouvée tout seul. Je pense que tu te poses la mauvaise question. Il faut pas trouver une frontière entre catch-up et pas catch-up, mais une frontière entre ce qu'on considère comme indépendant et non. Et professionnel. Et non, ouais. D'accord, ouais, alors comment vous... Parce que tu peux pas appeler cette deuxième catégorie les professionnels, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que je suis obligé d'enlever les podcasteurs. Il y en a qui essayent d'en vivre. Ben oui, mais justement, et ceux-là, j'ai pas envie de les mettre Mais j'ai pas dit professionnel ou amateur. Semi-amateur. Non indépendant. J'ai dit indépendant ou pas indépendant. Mais indépendant, ouais, par rapport à quoi? Ouais, c'est ça problème. Aussi. Indépendant d'un système de radio, par exemple, qui diffuse de manière hertzienne. On peut par exemple. Je pense que le problème, c'est cette frontière-là qu'il faut trouver. Pas tous au moins même point. Indépendant et ouais. Randall, je crois qu'il y a un problème. Par exemple, toi qui a FrenchPods. Ouais. Ça veut dire que tous tes podcasts, ils vont être affiliés à FrenchPod. Mais non, parce qu'ils font pas partie de FrenchPods. FrechPod, ça diffuse pas. FrenchPod ne diffuse pas, il ne fait, c'est qu'un portail, FrenchPod. C'est qu'un agrégateur de flux RSS. Voilà. Donc, pense que là, on peut faire radio. Ouais, c'est ça. C'est un truc à la pod radio, en beaucoup plus modeste. Et en mieux. Jeu de mots. Non, l'idée. Enfoiré. Je crois que tu faciliterais déjà pas mal les choses si tu faisais une distinction entre radio FM et le reste. Il faudrait quoi, que je fasse une catégorie FM? Non, la distinction logo. Si tu fais radio FM et donc on tombe vraiment dans le principe de la catch-up radio, mm-hmm. Et le reste, même si voilà. De temps en temps tu vas avoir un programme Arte Radio, un programme de type Arte Radio ou autre. Après, ça dépend aussi de son audience. Arte Radio, il n'y a pas énormément de monde qui doit écouter. C'est pas de la FM. C'est pas de la FM, justement, c'est ce que je dis. Si tu distingues FM, bon, tu peux aussi te poser la question des radios campus, des trucs comme ça. Est-ce que tu le problème, il est quand même plutôt au niveau de la notoriété, plutôt que du support de diffusion. Tout ce qui est radio FM ou peut-être certaines radios campus, c'est des noms qui sont déjà connus et reconnus. Il n'y a pas forcément besoin de les mettre en avant. Contrairement à que ce soit des podcasts indépendants, amateurs ou pas, même Patrick Béja, tous les podcasteurs le connaissent, enfin les poditeurs en fait qui écoutent de l'indépendant connaissent son nom, oui. Mais pas forcément. 99,9% des auditeurs de podcasts au sens catch-up radio n'ont jamais entendu parler de lui. Donc, je crois que si tu fais la distinction radio FM et pas radio FM, déjà tu vas me poser donc, la barre. En fait, remplace ma catégorie replay par FM et ça règle mon problème. Tous les problèmes. Ouais. Je suis d'accord dans le sens où tu vas te poser la question sur qu'est-ce qui génère, si c'est une personne toute seule ou si c'est un média, dans le vrai sens du terme, qui génère ça, qui génère l'émission qui est écoutée. Ouais. Quoi. C'est plus ça pour moi. Ouais, ça serait une bonne solution en fait. Ça paraît évident, mais on est tellement la tête dans le guidon. C'est la seule solution où tu es à peu près, tu prends pas parti, tu vois. Ouais.
Et c'est vrai que là, du coup, la frontière, elle est bien déterminée. Ça fait pas dire que t'as une ligne éditoriale qui fait que tu choisis toi-même ce qu'il faut. Tu dis simplement, voilà, moi j'ai décidé d'avoir un classement FM et un classement pas FM. Après, comment tu classais des trucs comme Synapse Live, Feu Synapse Live, c'est un peu particulier. C'est pas de la FM. Ça a jamais été c'est de la pas FM. Alors, c'est pas de la FM. J'ai peut-être aussi une petite solution pour faire avancer le schmilblick, mais pourquoi pas faut le pousser, une... faut le pousser. Ça aide, ouais. Mais j'ai pourquoi... pas pris Mougeot. mais pourquoi pas faire une sorte de note de comment de notoriété avec par exemple en allant de moins 1000 à plus 1000 moins plus ça va de... non, ça va être trop compliqué mais c'est moi qui ai spécifié un truc sur lequel on avait collègues. Une solution on ne vous entend plus donc tu veux mettre Chance Loubi aussi. Oui. Mais c'est le truc avec c'est quand tu joues sans dé ou avec des cartes, t'allais pas le. Mais non, mais avec 3 tout moi, à ce moment. Par contre, sinon faudrait un sort avec des endives. Sur une échelle de 3 à 18. Non, mais le problème, tu vois, Damien, si on prend une solution. Faut classer même, les podcasts même un peu comme du ça, plus lisse au plus rapeux. Classer les podcasts, ça veut dire que. Si tu classes des podcasts, ça veut dire que tu n'es plus objectif. Oui, parce que. Ouais, non, sur, et surtout, tu le notes sur quoi? Sur l'écoute? Voilà, sur quoi? Ça, sur l'échelle logarithmique. Et surtout, il faut compter. Il tient quelque chose qui est pas si con que ça, parce que c'est vrai que si on devait nous remonter les gens qui ont peu de notoriété parce que justement on veut les faire connaître, ce qui serait complètement dans la ligne éditoriale et la volonté qu'on a. Bah tu fais un quart à côté, genre le problème, le push-up de la rédaction. Tu découvres le choix de la rédaction, ouais voilà. Ouais, oui, non mais le problème quand même c'est que il faudrait que j'ai des stats vis-à-vis de ça et que Kenton sera avec moi pour savoir que les stats c'est très difficile à interpréter. Oui, c'est clair. Pas tous en même temps, pas tous. Tu fais selon ce que tu as envie de faire. Ouais, tu peux faire le top 10. Genre, si tu as un nouveau truc qui sort, genre, laisse aller des podcasts ou une conne du genre, ouais, tu peux le faire découvrir, tu le fous comme tu veux. Oui, pour ça, il y a le compte Twitter et le Facebook. Ça sert à ça. Sauf que quelque part, c'est pas juste. Je vais être très vilain, mais si le mec, personne le connaît, il y a peut-être une bonne raison. Oui, bah prenons tous les podcasts de péremptoire. C'est pas faux. Non, moi je m'en fous, mais. Non, c'est pas. Pas très... non, c'est vrai, mais c'est pas forcément vrai. Hein. Si on fait le parallèle avec, par exemple, la liste qui n'est pas parfaite et sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, la liste des bravos qu'on a sur Netophonics en saga MP3, on a décidé de faire en sorte que les gens puissent donner des bravos, donc un avis positif chaque fois qu'ils écoutent une histoire audio. On s'est rendu compte que les plus anciennes parmi les populaires sont en avant et du coup sont mises en avant et du coup sont tellement mises en avant qu'elles sont plus écoutées et qu'on a aujourd'hui des créations qui sont extrêmement bonnes, enfin qui sont vraiment d'une qualité extraordinaire, surtout qu'elle est récente et très moderne et qui se balade avec malheureusement 10 ou 20 bravos là où elle en mériterait 2000 quoi. Donc c'est ce que tu décris, c'est le syndrome du fait de passer c'est des disques actuel, bah c'est le fait de passer des disques mais même à l'époque des radios, plus tu passes un truc plus tu es écouté, plus il est écouté, plus les gens ils l'entendent quoi. Exactement. Et, ouais. Et en fait, c'est là où je voulais rebondir sur cette note que je disais de plus 1000 à moins 1000, où justement quand on sait que c'est un interlocuteur genre Europe 1, on peut dire d'office c'est à moins 500, puis après par la notoriété, par le nombre de clics et aussi par le nombre d'épisodes qu'ils font régulièrement, on modifie cette note automatiquement. Là, oui, mais ça tu parles du classement Damien, ce qui est une autre question, parce que c'est vrai que le classement qu'on a sur le côté, on n'a jamais décidé que le classement il serait juste. On a même décidé qu'il serait injuste le classement. Ah, évidemment, un classement. Oui, non, mais on a décidé que vraiment ça serait un truc de connard. Pour faire simple, d'ailleurs, tu m'envoies ta facture pour Techcraft en premier tous les vendredis. D'ailleurs, justement, faut qu'on en parle un C4 parce que je vais revoir mon algorithme. À l'heure actuelle, l'algorithme il est tout con. Hein, c'est si la personne a posté un épisode récemment. En fonction de ses stats, ça va lui donner une note. En fait, t'as une note de téléchargement, t'as un nombre de téléchargement, en fait, et c'est divisé par le nombre de jours, en gros, pondéré, on va dire, par le nombre de jours depuis la dernière publication, ce qui veut j'ai dire rien que... compris. Si quelqu'un... Ça veut dire que si je publie chaque jour, je serai toujours premier. Voilà, si tu continues à avoir autant de téléchargements. Comment s'appelle cette émission? C'est pour ça que les choses à savoir. Là-haut, ça se passe là-haut. Ça se passe là-haut, c'est un peu le cas de ça se passe. C'est pour ça qu'Anton, il est premier, c'est ça? Je sais pas s'il est premier, mais ensuite. Suite au plantage de. Non, c'est parce qu'il a un virement permanent.
Mais non, mais c'est ça vrai que aussi. C'est vrai que un podcast qui vient de débuter devrait pouvoir remonter plus facilement au classement, mais ça veut dire que d'un autre côté, je baisse au classement quelqu'un qui est vieux et qui pourtant a bien travaillé pour ça. C'est ce que je te dis, tu deviens subjectif. Ouais. Et c'est pas oui, c'est, ça, oui, sachant que il faut aussi tenir compte du fait qu'une fois que t'es abonné à un flux RSS, le fait qu'il soit en haut du classement, tu t'en fous individuellement, oui, puisque t'es déjà abonné. Donc ça veut dire que si ponctuellement au fil de la semaine, tu as des petits nouveaux qui débarquent et qui sont mis en avant. Ça ne veut pas dire que, d'une manière générale, les tu peux avoir le classement. Où est-ce que j'ai vu ça? T'as ça régulièrement, le classement, le meilleur du jour, le meilleur de la semaine, le meilleur du mois ou un truc comme ça, oui, ça peut être une... qui te permet d'avoir une vision à court, moyen et long terme, et où les plus anciens peuvent apparaître de manière assez assez évidente, puisque ils ont le poids de l'ancienneté, surtout s'ils continuent à publier. Et où les nouveaux ont leur chance d'apparaître aussi. Mais tu sais, pareil, tu fais plusieurs classements. Les problèmes de classement, c'est pas nouveau. Hein. Tous les App Store du monde et tous les trucs ont le même souci. Exactement. Tout à fait. Après, oui, encore Blast, sur ton raisonnement, il y a un truc qui est particulier. C'est-à-dire que si tu dis que si t'es abonné, mais à partir du moment où t'es abonné, tu vas plus rechercher ce podcast-là dans l'écoute. Donc tu vas aller voir plus bas dans le classement pour découvrir des choses que tu connais pas. Oui. Il faudrait filtrer par rapport au RSS déjà pris des abonnés. Oui, mais ça, c'est intéressant sur un truc comme personnalisé, ça c'est chaud ça. Il faut à la fois permettre à des gens qui débarqueraient, qui découvriraient le podcast, au moins de leur faire écouter les ténors, parce que c'est là où ils auront le plus de chances de trouver des choses qui sont bien faites, parce qu'elles sont faites depuis longtemps et qu'elles ont trouvé leur public et qu'on du coup peut-être qu'ils vont coller, et aussi permettre à des podcasts qui démarrent de trouver leur public de manière assez saine. Moi je suis pas super fan des classements, enfin il y a un côté qui me ça me paraît pas presque possible, ou en tout cas j'aurais pas forcément confiance dans un site où j'arrive où il y a une espèce de classement. Je préfère moi le côté, si je suis pas en premier déjà. Non mais je préfère le côté extrêmement subjectif d'une rédaction qui dit nous on a aimé ça, nous on a aimé ça, nous on a aimé ça. Ça me paraît plus intéressant d'avoir des gens, alors évidemment c'est complètement subjectif, mais d'avoir des gens qui se disent où tu te dis ok, moi j'ai choisi ce site là ou un podcast qui va dire voilà, nous on a écouté ça, ça nous plaît, voilà, etc. Une fille, un podcast, les têtes à tête. Les podcasts, mais c'est vrai, les podcasts, quoi. Non mais sans blague, ce que tu dis, Laurent Doucet, c'est pas du tout faux. Au sens que j'ai l'impression que... Ouais. Au sens, et là je serais d'accord avec toi et pas avec ton frère du coup, vu qu'il est pas là. Les agents ont toujours tort. Contrairement à Interstellar où ton frère est arrivé à me persuader, blague à part, on n'a pas à l'heure actuelle un portail / un site / enfin en tout cas, j'en connais pas, il y en a pas un qui est suffisamment connu qui soit un sélecteur de podcast, qui soit un site / magazine, d'accord, dédié au podcast, comme on aurait jeuxvideo.com sur les jeux vidéo. Ça, ouais. Alors, on n'a pas ça et ça manque dans la communauté. Tu sais pourquoi, Feel Good, à mon avis, la réalité du truc, pour l'avoir même un peu vécu, c'est que tu peux pas faire ça, dans le sens où au bout d'un moment, tout le monde se connaît, et commencer à dire celui-là je l'aime bien, et l'autre qui va dire attends, tu n'as pas parlé de moi et tout, c'est carrément impossible. Je te laisse imaginer dans le réseau, le petit réseau que ça représente, et maintenant qui est même plus parisien, où tu commences à, si jamais, et je prends évidemment le tacle inverse, ça veut dire que tu commences à dire ça vient de sortir, c'est de la merde, je te défie de faire ce genre de truc. La mafia rennaise, fais gaffe. Le mec qui va tacler un podcast, t'as une chance sur deux d'arriver au bout d'un moment où tu connais beaucoup de gens, ça va très très vite. Déjà, c'est impossible. Si tu tacles n'importe quel podcast, tu te mets un Doucet à dos, parce qu'ils sont tranquille et vilain. Sinon, j'ai en même temps, pour répondre un petit peu à la problématique, j'ai un micro coup de gueule. Il y a un podcast, des podcasts qui en ce moment fait pas mal de bruit, mais dans le mauvais sens. C'est mon avis, c'est Podcastor par exemple, qui présente des podcasts sans les connaître et les présente de manière complètement erronée. Oui, alors ça me rappelle Onde Critique, ça, sur le Neto. Ça, j'ai pas connu. Ils sont partis en dépression de sa taille. Podcast quoi? Podcastor. Podcastor, qui est une émission qui n'a vraiment rien à voir, que je vous invite bien sûr à écouter. Voilà, qui est excellent, bien sûr. Mais là, Podcastor, tu vois, ils ont présenté Walter aussi, de manière complètement erronée, on va dire à côté de la plaque. Du coup, tu vois, il y a une petite naïveté dans les propos qui pousse à écouter quelque chose. Oui, mais c'est pas grave, parce que justement, même si. Justement, Kenton est en train de dire ce truc-là, c'est de la merde. Et alors qu'il y a 3 secondes, c'était Blast.
Cobas, non Cobal, je sais plus qui c'est qui disait, que personne pourrait dire ce podcast il vient de sortir et c'est de la merde, Kenton vient de le faire. Est-ce que non, finalement ce site on pourrait pas l'écrire à plusieurs mains au final? Après, le truc c'est la légitimité, ça veut dire qu'il faut que tu arrives à te placer en disant ce mec-là est légitime pour me, je crois, enfin voilà, faut que quelqu'un ait suffisamment de poids ou un truc comme ça pour se dire ce qu'il va dire, je vais attirer un certain, alors tu mettras jamais tout le monde d'accord parce que c'est pas possible, mais c'est toute la question d'un critique quel qu'il soit, d'un critique ciné, d'un critique série, de ce que tu veux. Ça veut dire qu'à un moment, le mec qui va me dire ce film est pas bon, qui c'est pour me dire ça? Exactement, ouais. J'ai un petit problème avec le terme légitimité quand même. Je sais pas qui est légitime. C'est con, il y a pas Karine pour ça. C'est a priori, j'ai un regard qui est très mitigé là-dessus et j'aurais envie de dire que. Tu peux avoir un regard mitigé plus près de ton micro, s'il te plaît? Bien sûr, je peux faire ça. Merci. Avec grand plaisir. Ce que je voulais exprimer, c'est que si jamais à un moment donné, effectivement, bon, moi je fais un podcast où je parle des podcasts que j'ai écoutés, je vais exprimer ça j'aime pas, j'ai pas plus ou moins la légitimité que quelqu'un d'autre. Ce qui devient intéressant, effectivement, c'est quand tu suis quelqu'un et que tu apprécies son travail, peut-être que tu vas te dire, ah oui, comme j'aime bien ce qu'il dit, comme j'aime bien ce qu'il fait, en général, s'il me parle d'un podcast qu'il aime bien, logiquement, ça devrait me plaire. Tout à fait. Ça sort du cadre de la légitimité, en fait, on s'en fout, c'est juste une question d'avis. C'est une légitimité qui se construit, il faut au fil du temps, et donc ça signifie qu'il faut que le podcast, il ait déjà plusieurs numéros qu'on puisse comme lui attribuer ne serait-ce qu'une mini-influence. Est-ce qu'il y a peut-être une solution là-dessus? Moi, j'imagine, admettons, sur ton site, bah, t'as 2-3 catégories, les classiques, par exemple, où tous les mois, ceux qui font plus de 1000 téléchargements par mois, bah, tu les retrouves là-dedans, et t'as les nouveaux qui viennent de créer un podcast, un nouveau flux, hop, ouais. Bah, t'as une catégorie, les petits nouveaux, des choses comme ça. Bah, c'est déjà qu'il y a sur PodCloud. C'est déjà le cas. Pas de podcast. Je vais peut-être dire une bêtise, hein, si c'est pour parler de légitimité et sans se faire taper, hein. Je sais que là où je vis, personne ne veut venir, hein. Là, au moins, je suis sûr que, en toute légitimité, je pourrais dire des choses mal ou bien, tout le monde s'en fichera. C'est ça. Alors, oui, mais les podcasts nivernais, il y en a deux, quoi. C'est ça le problème, quoi. Je peux revenir une seconde sur le podcasteur, juste pour finir ce que je disais avant. Oui, vas-y, Kenton. Parce que justement, c'était en réaction à ce que disait Laurent Doucet, où il disait, effectivement, au bout d'un moment, il y a du copinage, c'est, ah, toi, je t'aime bien, donc je vais parler de toi. Justement, sur podcasteur, même si c'est un micro coup de gueule en même temps, que j'apprécie pas dans la façon dont il présente les choses, il y a quand même une certaine naïveté de présentation du podcast. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils l'ont écouté une ou deux fois. Ils veulent faire bien, mais ils le font pas bien, mais peu importe. Mais ils ont un vrai coup de cœur et donc ils te donnent l'envie, même s'ils présentent des choses que nous on connaît déjà, mais disons que dans 3-4 épisodes, ils vont peut-être présenter des choses qu'on ne connaît pas. Voilà. Oui, voilà. Imaginons dans quelques épisodes plus tard, ils vont nous présenter des choses avec une naïveté énorme de quelque chose qu'on connaît pas et qu'on aura envie d'écouter. Certes, ils vont le présenter mal, mais au moins, on sentira que c'est le coup de cœur du mec et on se dira, bon, c'est le coup de cœur du mec, bon, on va peut-être écouter. Et on sait au moins qu'il y aura pas de copinage. Enfin, alors, on pensera en tout cas qu'il y a pas de copinage. On sait pas ce qu'il y a derrière, bien évidemment. Deux petits trucs. Je suis en train de regarder les podcasteurs. Je vois que les gens qui, enfin, je regarde le site. Je ne connais aucune des personnes qui présentent ce truc. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, pourquoi pas. De la même manière que quand Kikrine a fait, un podcast où elle parlait de podcast. Dans le côté, je vous parle de ce que j'écoute et ce qui me plaît, ça me pose pas de problème. Je posais les problèmes de critique négative. Ça veut dire que tant que tu fais des coups de cœur, t'auras jamais de problème parce que de toute façon, tu vas lever des podcasts où tout le monde va être, enfin, ou d'accord ou pas, mais c'est un truc que t'aimes bien. Je se posais la question à un moment de gagner dans une qualité de commencer à dire ça, c'est pas bien. Et là, ça devient très compliqué. Ouais, la critique, c'est toujours très, très compliqué. Faut être honnête. On a, je sais pas combien de podcasts sur le cinéma où il y a très peu de critiques négatives, je parle, bien sûr, qui sont faits par des gens qui, connaissent fortement le cinéma. On va prendre par exemple, je sais pas, Oasis dans son À l'affiche. Oasis, c'est pas un professionnel du cinéma, d'accord. Lorsqu'il fait une critique cinéma et qu'il dit je n'ai pas aimé ça, d'accord, il dit je n'ai pas aimé ça. Et il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Toi, tu parles du principe que si on fait une critique négative, on va pouvoir forcément dire c'est de la merde. D'accord. Mais c'est de la merde, d'accord, il peut être purement subjectif. Ça peut être, je trouve que le son il est à chier, il est très désagréable à écouter. C'est à la fois subjectif parce que tu t'es déchiré les oreilles et c'est objectif parce que ça déchire les oreilles objectivement, d'accord ? Tu peux critiquer le son, ça c'est quelque chose que tu peux critiquer sans problème. Ensuite, après tu peux dire je n'ai pas aimé et dire simplement je n'ai pas aimé. Il n'y a pas de problème de légitimité dans le fait d'aimer ou pas quelque chose.
Ouais, mais c'est pas quel est l'intérêt d'aller parler d'un truc que t'as pas aimé. Alors, voilà, c'est pas toujours la question, parce qu'il y a 250 millions de choses que tu connais même pas. Donc en fait, tu vas finir par faire la distinction entre ce que t'as aimé, ce que t'as pas aimé, et le reste, bah tu l'ignores parce que t'en as jamais entendu parler. Oui. Et c'est là où on risque de tomber dans des consanguinités, parce que on a entendu un podcasteur, ou on a entendu parler, ou lors d'un podcast, on a entendu parler d'un truc, ou on est tombé dessus par hasard, et on a une espèce de petite famille qui finalement se côtoie, se connaît parce que on suit les uns les autres au travers d'un Twitter ou autre. Ou alors qu'on on les ignore complètement parce qu'on sait même pas qu'ils existent. Du coup, est-ce que celui qui ferait une émission, qui prendrait la décision de faire une émission, une chronique, un blog, ce que tu veux, sur le podcast, et qui n'aurait pas la légitimité d'avoir une vision au moins suffisamment généraliste du truc, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? C'est toute la question. Non, mais je suis désolé. Tu vois, je prends je l'ai sous les yeux, hein, c'est pour ça. Le dernier podcasteur, il présente l'apéro du capitaine. Ça me paraît un truc extrêmement difficile. Il y a plein de façons de dire de l'apéro du capitaine. Si tu n'abordes pas la façon d'aborder le truc, c'est une émission très très particulière. Quelqu'un pas d'en parler, moi. Ça si t'écoutes que les 20 premières Par minutes, contre, si ils reçoivent écouté... des cadeaux, voilà. C'est sûr que. Si ils ont écouté deux épisodes, c'est pas la peine d'en parler. Mais s'ils ont tout écouté en toute légitimité, ça m'étonne pas qu'ils en parlent, quoi. Non, non, c'est vraiment très particulier dans le. Tu peux pas présenter. Et de la même manière, il présente aussi l'inaudible. Alors, Kenton nous disait qu'il le présentait mal. L'inaudible, ça fait 10 ans qu'il fait du podcast. Il a muté ses podcasts de plein de manières différentes. Moi, j'écoute l'inaudible depuis si longtemps que ça, enfin depuis quelques années. Je ne sais pas si je serais prêt à le présenter. Enfin, tu vois, c'est très compliqué. Ouais, voilà, les podcasts anciens. Les forces à présenter. Il faut aussi partir du fait que ce sont très probablement des gens assez jeunes, sans beaucoup d'expérience ni de structure. Et ils ont raison d'avoir envie de faire leur truc à eux et tout ça. Après, c'est. Ah oui, oui. C'est sans doute maladroit, mais. Ouais. Après, c'est peut-être tout bancal et tout, mais c'est leur podcast. Oui, et puis ils tireront leur propre crédibilité avec le temps. Oui, après peut-être qu'effectivement ils regarderont ce podcast-là en particulier en disant « Ah là là, qu'est-ce qu'on était con, qu'est-ce que c'était pourri !» Un jour, vous ressortirez mon premier podcast que j'avais fait en anglais. C'est une horreur. Mais si on commence à ressortir les dossiers, c'est pareil. Enfin, je veux dire, on a tous démarré par des trucs où on peut se dire, objectivement, aujourd'hui, avec recul, on se dit, je l'aurais pas fait clairement comme ça. C'est pour ça que je suis pas si inquiet d'une critique négative. Parce qu'en fait, on a cette culture dans le monde du podcast. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça de mon point de vue. J'ai l'impression qu'on a cette culture de quand quelqu'un fait une première émission et que, honnêtement, on sent que ça va être la casserole qu'on va lui ressortir pour les 10 ans à venir. On a tendance à lui dire, tiens, au fait, dans ton émission, ouais, le concept est intéressant. Bah, par exemple, pour Podcastor, là où on dit, ouais, le concept est intéressant, mais bon, bah, voilà, faudrait travailler ci, faudrait travailler ça. On a cette habitude d'aller vers la personne et de lui dire, tiens, j'ai écouté et j'ai ça comme conseil pour toi. Après, tu le suis, tu le suis pas. Mais voilà, donc une critique négative sera toujours, à mon sens, dans notre petit monde. On arrive à faire sortir les mauvaises choses avec des bonnes choses à côté. Voilà, on a toujours une ouverture d'esprit qui va avec. Ouais. Et des fois, tu peux tomber sur un podcast que tu trouves extrêmement mauvais et qui devient extrêmement bon. Je cite, je suis désolé si je mets quelqu'un à dos, mais ça finit par un compliment. Mais par exemple, je sais qu'Oasis avait eu un gros coup de cœur pour Podcaster et pas Podcastor. Mmh. Donc du coup, je suis allé écouter premier épisode. Ouais, ils sont géants, le netblog. Non, mais je les supporte pas, ils sont emmerdants. Qu'est-ce que c'est que ce podcast nul? Je suis honnête, je dis, qu'est-ce que c'est que ce podcast nul? Et du coup, il était dans ma liste de téléchargement. Oui, podcasteur, pas podcastor. Ni podcast. Et du coup, j'ai écouté le deuxième, et le deuxième, c'était totalement ma tasse de thé. Donc, des fois, tu peux écouter un épisode en disant, non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cet ovni qui débarque? C'est comme les séries télé. Hein. Mais voilà, c'est ça. Et le 2 te dit, ok. Alors, mais non, mais si, c'est génial en fait. Et après, ça dépend aussi du contexte. Et l'inverse existe. Hein. Tu peux aimer un podcast qui modifie sa formule pour un truc, et puis à un moment, soit tu t'en lasses, soit il y a une modification de formule qui fait qu'à un moment, tu dis non, ça ne me touche. Ça ne te convient plus. Ah oui, j'en ai plein comme ça qui ont viré de ma liste pour ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Et dans ce cas-là, en fait, voir un site de référence avec des avis certaines personnes qui publient leurs avis, ce qui serait pas mal, ça serait d'avoir une espèce de réseau social de podcast avec par affinité. Ça s'appelle Twitter. Pof, t'es dans quoi? Ça s'appelle PodCloud.
ce que j'allais non, dire ouais, un truc genre non, ce que je veux dire, non mais quand je parle de réseau social c'est vraiment avec on se crée des groupes des groupes de personnes par affinité justement et les personnes peuvent échanger voir ce qu'écoutent les autres personnes arrête ils vont faire bah, un podcast c'est idiot mais moi je l'ai fait avec Twitter ça j'ai commencé à écouter ah oui on fait tout ça ouais mais vraiment quelque chose de dédié au podcast ouais à ce moment là il faut être fédérateur et qui tu vas fédérer il y a plein de gens qui font un truc dans leur coin qui ont même jamais entendu parler des autres. Peut-être qu'ils ont été en Allemagne ou en Angleterre et qu'ils ont entendu parler de, qu'ils ont entendu des émissions indépendantes puis qu'ils vont décider de faire dans leur coin en francophonie sans jamais même se rendre compte qu'il existe des applications de podcast ou des trucs comme ça. Bah oui. Je te fais une petite anecdote personnelle un peu rigolote parce que même le podcast, on dit que tout le monde se connaît, mais c'est pas si que ça. J'ai participé, moi, la première fois que j'ai participé à un duel, c'était face à tous les gens qui étaient de ce qui était Radio Kawa et Radio Radio 01, etc. Et comme l'a dit Pierre-Antoine, j'ai la réputation d'être partout, d'être un peu t'as le don d'ubiquité. Mon nom peut faire rigoler et tout. Je suis arrivé, les mecs, ils me connaissaient absolument pas, ils m'avaient jamais entendu, ils savaient même pas qui j'étais. Donc, et ils veulent rien dire, tu t'en es remis ou pas non, mais est-ce qu'ils sont terriens hein oui, ils sont en Suisse. C'était une sphère. Oui, alors, voilà. C'était une sphère complètement différente, donc voilà, qui avait pas du tout. Et c'était le but d'ailleurs de Johnny Pigeon qui disait, c'était rigolo, voilà, de faire contacter deux sphères qui se croisaient pas. Oui, mais il y en a plein comme ça. Hein. Je vous reçois complètement parce que moi je fais plutôt partie de l'équipe à la base de Radio Kawa et moi tous autant que vous êtes dans la salle, je vous ai découvert grâce à Kikrine et à Feel Good. PodCloud a été pour beaucoup en fait dans la découverte de plein de podcasts que je connaissais pas du tout. Donc c'est que ça marche. T'imagines pas le nombre que j'ai découvert moi quand je me suis tapé la modération de tous les podcasts à Xavier. Ah, j'imagine, ouais. Je savais pas qu'il y en avait autant. Moi j'avais l'habitude des 300-400 qu'il y avait sur Podcast France à l'époque, qui au final correspondent à on va dire 2-3 sphères du podcast, mais en fait il y en a une vingtaine, trentaine de sphères du podcast. Et on parle que de la francophonie. Hein. Et on parle que de la francophonie, bien évidemment. Déjà autour de la table, moi je vous connais pas tous. Hein. Bah c'est pour ça qu'il y a Sandwich donc c'est normal aussi. C'est vrai, ça aide. Ça joue, enfin, c'est vrai que si t'es tout le temps dans Techcraft, oui du coup tu connais que Techcraft et puis Feu Café Clutch. Et puis mais c'est parfait. Ce running gag. Non parce que j'aime pas le prochain que tu risques de sortir du coup. Bah faudra l'attendre. Hein, veux. Du coup je vais pas le sortir alors. Non mais c'est vrai que on parlait de podcasts qui ont changé de formule et qui s'arrêtent. Enfin qu'on arrête d'écouter pardon. Je sais que Pof le Wewesh il suivait. Mais le WAPEX, trop musical pour lui, du coup, il a décidé d'arrêter d'écouter. Oui. Il va retenter parce qu'il est revenu en arrière. Ça me paraît complètement aberrant, tellement pour moi. Tellement c'est le même podcast. Et on le tient du créateur lui-même qui a dit que c'était que le changement de nom était quasiment une fumisterie. C'est juste parce qu'il y avait Wii dedans, qu'il n'avait plus envie de faire les semaines. Non, mais c'est ça, il nous l'a dit texto. Non, mais c'est vrai que c'est un poil plus musical qu'avant. Avant, c'est vrai que c'était plutôt des couillonnades qu'on pouvait trouver sur YouTube. Que c'était musical comme ça. Mais c'est vrai que c'était partie musicale et qu'il s'était déjà lassé du Wewesh. Mais le Wewesh, tu regardes les premiers, ils faisaient 6 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Hein. Ouais, les derniers, ils en font 55. Hein. C'est clair. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Après, comme vous dites sur Podcastor et sur d'autres, c'est rigolo de se lancer. Après, quand tu démarres comme ça, on ne sait pas d'où tu arrives. Parce que tu pourras avoir un podcasteur qui fait beaucoup de podcasts qui se mettent dans cette position de critique de podcast, critique positive ou négative, hein, c'est pas la question. Où là, on se dit, bah oui, ce mec-là fait du podcast, ok, même si je suis d'accord ou pas avec lui, il a fait du podcast. Là, quand c'est d'illustres inconnus, ça peut être intéressant parce que c'est frais, faut mais pas c'est frapper, la vision. Hein. Non, mais il y a deux visions. Toi, tu vois la vision critique, au sens le critique de film, d'accord, qui lui a une connaissance cinématographique qui va lui permettre de faire une critique en ayant les outils en main. Bah, c'est le but, sinon. Et après, non, parce qu'après, t'as la critique, c'est-à-dire le coup de cœur. Et là, dans ce cas-là, t'es obligé de te limiter au coup de cœur parce que tu n'as pas les outils de faire une critique négative construite. Surtout, un peu l'inverse de ma phrase. Et là, auquel cas, oui, il faut que ça soit un podcaster.
Là, on est d'accord. Tiens, permets-moi de parler. Tu fais ce que tu veux et tu te fous de ce que les gens disent parce que tu as envie de faire un podcast et tu le fais, quoi. Aussi. Au final, il n'y a pas mort d'homme s'il ne s'appelait pas ou s'il ne se trouve pas son public. C'est exactement ce que je fais avec ma chaîne. Qu'est-ce que vous voulez dire, Pépé ? Pépé ? En fait, c'est un peu le paradoxe, en fait, depuis tout à l'heure. On dit que si on a des podcasts ou de critiques de podcasts où il y a des gens qu'on connaît pas, on va dire, on va pas leur attribuer de légitimité. D'accord ? C'est pas forcément le cas. Voilà, c'est pas forcément le cas. Mais globalement, par contre, si on dit que c'est quelqu'un qu'on connaît qui va faire, qui va avoir plus de légitimité, qui va critiquer les podcasts, on va accuser un peu de copinage à terme. Donc il y a toujours ce gros paradoxe depuis tout à l'heure, en fait. C'est vrai. Tu prends l'exemple, on prend un exemple récent, celui de Karine qui débarque dans le monde du podcast avec une fille à podcast qui parle de ce qu'elle écoute et elle fait d'une anonymité immédiatement. Oui, carrément. Oui, mais elle critique jamais, elle est pas dans la critique négative. C'est-à-dire qu'il y a aucun moment où elle va dire moi j'aime pas. Un mec qui se lance, qui au départ est pas connu, même s'il est totalement objectif, un truc auquel je ne crois absolument pas, mais le mec commence à décortiquer les podcasts, il explique voilà pourquoi ça c'est bien, voilà pourquoi ça c'est pas bien, puis au fur et à mesure, forcément, il rencontre des gens et là ça devient beaucoup plus compliqué pour lui après de quand il y a un de ses copains qui a sorti un truc qui objectivement est nul et qui fait je vous le dis, ça c'est de la merde, tout, etc. Et au niveau des autres, ça crée quelque chose d'un peu délétère après. C'est dégueulasse, parce que c'est fait un peu en amateur, le mec il est un peu content de ce qu'il a fait et puis il s'entend caché derrière. On en arrive au même problème dans n'importe quel média, je veux dire, des critiques de médias. La seule différence qu'on fait là-dedans, c'est qu'on considère que celui qui va faire des critiques de podcast va faire un podcast qui peut lui-même être critiqué. S'il faisait ça sur un blog, ça vous choquerait sans doute moins. Mais on a le même problème dans tous les médias. C'est-à-dire que dans le monde du cinéma, il y a des critiques de cinéma. S'ils se mettaient à le faire sous forme d'un film, on trouverait ça bizarre. Oui, mais on a sur leur boulot. C'est vrai. C'est souvent d'ailleurs amusant dans des podcasts qui démarrent et qui techniquement sont pas forcément parfaits et qui vont faire des critiques audio sans maîtriser ni la prise de son ni la post prod ni quoi que ce soit. Ça c'est drôle. Franchement, qu'est-ce que tu viens me poser une critique sur mon podcast alors que je suis d'en faire un toi-même. Mais Blast, tu évoquais Netophonix, vous avez bien le cas où t'as des gens qui postent des histoires et trucs qui c'est pas bon. Comment c'est ressenti, comment c'est traduit ? Alors, c'est un peu particulier. Je vais faire un résumé rapide. En fait, c'est un putain de champ de bataille, le Netophonix. Il y a des morts partout. Les mecs s'envoient chier, ils se tirent des roquettes dans la gueule. C'est plus violent. C'est pas vrai, ça arrive rarement. Si, c'est violent. Il y a une modération qui est présente pour un petit peu gérer tout ça, et ça se gère le plus possible entre gentlemen. C'est-à-dire que si une émission, enfin quelqu'un qui a envie, il faut une émission qui s'appelle le duel. Ça se gère comme ça entre gentlemen. Non, on parle de la partie écrite. Hein. Je parle pas de la partie audio et on peut parler de la partie audio après coup. Les gens vont s'entraîner sur jeuxvideo.com, sur les forums, et après viennent. Et justement, ils peuvent essayer, ils vont chercher immédiatement. Admettons qu'un Kikoulol arrive, il a écouté le donjon de Nahulbuck, il a envie de faire sa saga MP3 et puis il balance son premier épisode, ouhou, c'est super, allez-y, écoutez, c'est pas champion, mais critiquez-moi, mais soyez pas trop méchant, et tout ce qui va derrière. On l'a déjà vu régulièrement et effectivement, ça arrive de temps en temps. On essaye dans ces cas-là, c'est pas toujours évident, de modérer et d'auto-modérer nos propos. C'est-à-dire qu'il y a toujours, et il faut déjà pas jamais oublier qu'il y a déjà une démarche de produire quelque chose et de le proposer. Donc, il faut en tenir compte. Il faut donner une certaine positivité au truc. Donc, il y a toujours quelque chose à en sortir. Alors, si vraiment il n'y a rien à en sortir, il faut le dire très gentiment, dire « Excuse-moi, mais t'as tout foiré. Ton histoire ne tient pas la route, tu articules mal, ta prise de son est mauvaise, t'as pas un bruitage qui est cohérent. Si c'est ça que tu voulais faire, parfait. Mais sinon, il va falloir retravailler. Mais c'est pas grave. On t'envoie vers les tutoriels qui vont bien, comment régler un préampli, comment se positionner. Il y a des scénarios. Il y a des gens, on va pouvoir t'aider, on va pouvoir te guider. Et si ce que tu as envie de faire, c'est de la qualité, pas de souci. On va les amener à faire une histoire courte, à faire des choses. Donc, il y a un encadrement, mais on est sur un forum, donc il y a forcément un échange. Alors, évidemment, de temps en temps, il y en a un qui comprend pas la méthode et qui arrive en disant « Ouais, c'est pourri, c'est de la merde. » Et lui, se fait cartonner. Parce que simplement dire « C'est pourri, c'est de la merde », on n'en veut pas, on n'est pas sur jeuxvideo.com. Le principe, c'est si tu trouves que la prise de son est mauvaise, eh ben dis que la prise de son est mauvaise et donne éventuellement un conseil si tu en as les moyens techniques, ou déjà, au moins, guide-le dans une certaine direction. Si c'est juste pour dire c'est de la merde,
Ça n'a pas sa place ici. Donc, c'est une modération, une automodération qu'on essaye d'avoir. Ouais. Alors, après, il y a eu un certain nombre d'émissions de radio ou de web radio qui ont été créées. Donc, on pourrait appeler ça des podcasts ou ce qu'on veut, où des gens faisaient des critiques ou font des critiques, ça existe encore aujourd'hui, d'épisodes qui sortent et qui s'en sortent plus ou moins bien. Alors, moi, j'ai toujours eu un avis assez mitigé. Alors il y a Retrosphère, mais il y en a d'autres. Il y a les émissions sur Live Origin. Il y a eu des émissions sur d'autres radios qui existent ou qui ont existé. Des émissions de critique, il y en a eu pas mal parce qu'effectivement c'est une manière d'aborder les choses. J'écoute de la saga MP3, j'ai envie de parler dans un micro, ben pourquoi ne pas faire de la critique. Et là on se pose effectivement la question de la légitimité de celui qui va faire la critique. Est-ce que il va pouvoir s'ériger en critique technique, en critique artistique, avant même d'avoir même écouté un arc, peut très bien dire ouais l'histoire elle est bancale, mais en tant qu'on n'a pas écouté la fin de l'épisode, enfin la fin de l'histoire, est-ce qu'on peut juger au chapitre 2 ou au chapitre 3 si telle histoire est cohérente? Peut-être que la cohérence on va la comprendre plus tard. Peut-être qu'il y a justement des arcs qui sont volontairement cachés ou des choses comme ça. Techniquement. Bah, il faut être quand même relativement pointu pour être capable de donner une critique. Et l'autre chose que moi je trouve assez dommageable, c'est une vision qui est toujours un petit peu bizarre entre à qui j'adresse ma critique. Est-ce que j'adresse au créateur de manière à ce qu'il évolue, qu'il s'améliore et qu'il aille dans un sens peut-être différent ou en tout cas que je lui donne des conseils? Ou est-ce que je m'adresse au public en lui disant « ça, faut l'écouter, ça, faut pas l'écouter parce que c'est nul ». Et c'est toujours un peu ambigu. On a toujours cette espèce d'ambiguïté à l'heure actuelle. J'ai pas encore trouvé de podcast qui se positionne très clairement dans un sens ou dans un autre. Et pardon, un podcast qui critiquerait des podcasts aura aussi le même problème. Est-ce qu'il va s'adresser au podcasteur en personne, auquel cas il ferait peut-être mieux d'envoyer un email directement ou s'adresser à la personne et lui donner son avis, comme il m'arrive de faire de temps en temps d'aller voir des podcasteurs et lui dire tiens, si tu veux je peux te donner 2-3 conseils, ou s'adresser au public en lui disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et là effectivement la question de la légitimité de qui tu es toi pour m'encenser moi ou pour me descendre se pose. Donc pour moi c'est un peu ambigu forcément. Du coup, est-ce qu'on doit se limiter à la critique positive et dire ce qui nous plaît parce que c'est le plus simple au final? Et c'est ce qui aura le plus simple, d'intérêt. Oui. Je suis pas d'accord parce que la critique négative peut permettre de continuer et d'évoluer. Tout à fait. C'est un peu facile, des fois, juste la critique positive. Si on voulait demain faire, je sais pas, un site qui s'appellerait lepodcast.fr, où on serait à plusieurs rédacteurs et qu'on décidait de faire ce portail justement de critique et de découverte du podcast, il faudrait qu'on se limite à la critique positive. Et la critique négative, on l'a fait via les réseaux sociaux. Ça peut être une critique, en tout cas, c'est la mise en avant de ce qu'on a bien aimé. C'est pas prendre systématiquement tout ce qui se produit, mais dire, tiens, ça, j'ai bien aimé. Bon, c'est parfois un petit peu lourd, ou peut-être que parfois leur humour est pas champion, ou peut-être qu'ils ont une rubrique qui me plaît pas. Jour, ou peut-être que techniquement c'est pas top mais ils vont s'améliorer, et par contre d'une manière générale j'ai bien aimé, donc oui, mais c'est ça que j'appelle la critique positive. C'est-à-dire la critique d'un truc où on recommande aux gens d'aller l'écouter. C'est une recommandation plutôt que c'est une, chose, oui, c'est effectivement plus clair comme ça. Kenton, c'est ce que tu avais en tête aussi, tu voulais réagir? Comment? Vas-y, Kenton. Je crois que tu voulais réagir. Oui, justement, la critique négative, c'est super important. Regarde, dans Techcraft, malheureusement, les retours qu'on a, c'est toujours positif. Et c'est pas constructif d'avoir des retours positifs parce que tu t'assois sur tes acquis. C'est un podcast de merde. Voilà, en plus. Non, donc, dans Techcraft, vous parlez trop de jeux vidéo. À chaque coup, je suis obligé de zapper cette partie-là. Fais avec des connards, en plus. Hein. Et si t'as que du retour positif, t'as pas de volonté. C'est pour ça qu'on a mis un sondage en place. Et du coup, principalement, les critiques qu'on a, c'est du négatif, mais c'est du négatif constructif, tu vois. Bon, bien sûr, t'as du troll, t'as toujours des mecs qui te mettent zéro en disant arrêtez-vous, suicidez-vous, fils de pute, refais du Minecraft, comme mais ça c'est constructif, ça. Minecraft, on peut pas faire le suicide est la solution. Le meilleur dans ce truc là, j'avais vu, c'était pas pour moi, c'était un autre podcasteur où il y a un mec qui avait, ils en étaient à une 25-30 émissions. Le mec a dit j'ai tout écouté, c'est vraiment nul. Hein. Bah oui, enfin, t'arrêter avant, mais... vous vous améliorez absolument pas. Et le mec avait fait un pavé, mais je suis plus de 70 lignes, 80 lignes pour dire que c'était vraiment pas bien. Bah ouais, mais enfin, vu, écoute... Il avait énormément d'espoir que ça s'améliore, en fait. Je pense pas. Il a été déçu. C'est...
Nous, sur Queen non, mais du coup, sur les retours négatifs qu'on a, on peut vraiment analyser ce qui va pas, et pouvoir tirer des conclusions, essayer d'améliorer le truc, et ainsi de suite, tu vois. Bah ouais, clairement. Prenons un oui, mais là, là encore, est-ce que ça justifie de faire un podcast pour pouvoir peut-être en parler, alors qu'il suffit que je m'adresse à toi et je me dise, tiens, peut-être bien que ton taux de compression est trop fort ou telle rubrique me plaît pas, j'ai pas besoin de faire une lettre ouverte pour ça. Ouais. Non, mais, c'est sûr, si tu mais peut-être que ça manque naturellement d'initiative, parce que toi, t'aurais la gentillesse de le faire, mais la plupart n'auraient pas la gentillesse de le faire et diraient juste, bon, c'est de la merde, va te faire foutre, et puis voilà, tu vois. Pépé? Oui. Oh, c'est de la merde, va te faire foutre. Bah, j'ai une idée, si Péremptoire crée un podcast. Non, j'ai trop de boulot là. Sur le... qui parlerait des commentaires de podcasts, par exemple. Oui, voilà, ah ouais. Mais oui, par exemple, les commentaires d'iTunes. Ne donnez pas de mauvaises idées à Péremptoire. Ce serait lâchez vos pods. Voilà, c'est ça. Mais non, mais. Bon. Est-ce qu'il est légitime pour ça? Péremptoire. Il faut demander à Karine, les gars. Péremptoire allait dire un truc. Pépé. Oui, parce que Pépé, c'est le seul qui utilise le chat pour prendre la parole. J'en profite pour vous dire merci d'utiliser le chat pour demander la parole, parce qu'il y en a qui parlent pas, notamment au hasard Xav, qui parle pas depuis tout à l'heure, mais ça se trouve, il a pas forcément envie de dire des choses. Mais n'hésitez pas, parce que... Oui, voilà, faut s'imposer, et sinon, il y a le chat pour ceux qui ont du mal à s'imposer. Par contre, c'est bien, parce que Péremptoire, il demande la parole, et il dit « après. Bon. Génial. Parce qu'il est parti. Quel enfoiré. Deux petites anecdotes sur le retour entre podcasteurs. Moi, je l'ai fait, et ça m'est arrivé dans les deux sens. Un des premiers Queen Novi, Barberousse, avait coupé tous les blancs quand il parlait. Donc, il avait monté le truc. Quel raciste. Il avait enlevé les blancs. Donc, du coup, tu avais une impression où toi, comme un auditeur, il respire en même temps que la personne qui parle. Et du coup, quand tu écoutes son podcast, au bout de 10 minutes, tu t'étais étouffé parce qu'il avait coupé les blancs. Je lui dis, mais non. Il me dit, oui, mais ça fait... du podcast. Voilà. Et à l'inverse, moi, les premiers podcasts que j'ai fait, j'ai eu à l'époque un échange qui s'est même terminé en coup de téléphone avec Pop Govzovza, Guillaume qui faisait la voix dans la tête à l'époque, qui m'a dit, écoute, j'arrive pas à écouter ton podcast dans le métro, est-ce que tu fais de la compression et tout? Bon, je vous dispense de la suite et tout, mais c'est comme ça qu'il m'avait appris, où j'avais eu un retour positif à avoir un son qui était plus poussé pour pouvoir être écouté dans le métro. Oui, d'ailleurs, je rappelle qu'on a eu une très bonne discussion dans l'épisode précédent pour ceux qui ont pour ceux qui auraient manqué. Très courte, bah pas si longue que ça, que 45 minutes. Hein. C'était juste le thème. Antenne, là, t'étais fatigué, ça se sent. Sur quoi? Non, non, parce qu'on a continué hors antenne, c'est pour ça. On l'a continué hors antenne, puis après j'ai fait carrément une séquence spéciale sur le BUR 128. Écoutez les sondiers. J'ai refait du coup une séance plus travaillée dans les sondiers. D'ailleurs, à ce mode, s'en souvient. Quand j'ai vu le titre de l'épisode des sondiers, parce que je l'ai toujours pas écouté, j'ai rigolé. En fait, je me suis dit, tiens, ça a probablement un rapport avec la discussion entre Blast et Cobal. C'est hyper formidable. Je crois qu'à un moment, on perd Asmot au cours de l'émission. Je crois qu'il y a un petit moment où il lâche la rampe un petit peu. Il s'endort, ouais, mais c'est pas grave. Tu m'étonnes. Mais oui, la critique positive, je pense qu'effectivement, il faut l'adresser. La négative, pardon. Il faut l'adresser direct au créateur. Hein. Oui, voilà, il faut l'adresser au créateur. Il n'y a aucun intérêt à balancer en public. Et c'est le seul média sur lequel on peut le faire, puisque tout le monde dans les podcasts dit rejoignez, enfin, si vous voulez nous parler, venez là. Tu peux pas dire à une radio pour changer ça. Non, voilà. À la fois les retours. Tu l'as ton truc là. C'est très embêtant parce qu'il y a un côté, tout le monde te demande des retours. Moi, et pourtant, j'écoute je sais pas, entre 20 et 30 podcasts. Moi, j'ai pas le temps de faire des retours sur tout. Quoi. C'est pas toujours évident. Bien sûr. C'est pas faisable. Le seul truc, d'ailleurs, tiens, feel good pour te le dire, une émission comme ça qui serait à destination du public, pas des podcasteurs, mais du public, sur tel podcast est intéressant, tel autre l'est pas, etc. Ce serait intéressant parce que ça commencerait à faire sortir, à aider, à mon avis, à parler du podcast en général. Et c'est des choses qui peuvent aider à élargir l'audience d'un podcast. Des pastilles PodCloud. La difficulté dans ce cas-là, c'est d'arriver à tenir une certaine longueur. Parce que ça veut dire que pour pouvoir parler de podcast, il va falloir que tu en sortes des nouveaux. Donc, il va falloir que tu en écoutes beaucoup, que tu en rejettes beaucoup, que tu en trouves pas mal. Il y a un travail en arrière-fond qui est très, très vite énorme. Oui, il y a un travail de recherche, d'écoute, d'analyse, faire le point de sa propre playlist ou ses flux RSS et de regarder ce qu'il y a dedans, ça va relativement vite. Tu te fais inviter chez Karine et puis vous en discutez pendant 3 heures et l'affaire est pliée. Enfin, effectivement, ça permet de dire pourquoi on aime bien l'un,
qu'on aime bien l'autre. Et celui qui va écouter l'émission, bah, il va se retrouver avec 10 podcasts supplémentaires dans sa playlist. Mais si tu dois faire une émission au bout de la 10e, je t'assure que ça va être chaud, hein. Ouais. Mais finalement, on retombe sur le même problème que tout à l'heure, à savoir que cette émission, elle va être écoutée les personnes qui écoutent déjà du podcast indépendant. Aussi, ouais. Ouais. Alors qu'elle s'adresse un petit peu, l'objectif, ça serait de faire découvrir le podcast indépendant aux personnes qui ne l'écoutent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, on peut pas faire une émission critique de podcast si on fait un podcast. Si on le fait en mode podcast, ça en touchera pas assez de monde. Donc la solution, ce serait peut-être... On serait perdu du problème, donc. Messieurs, la solution, ce serait peut-être que, finalement, ce soit un ketchup radio qui fasse l'analyse du podcast. Mon Dieu, eh ben, on n'a pas le cul sorti des ronds, ça. Une chaîne de télé. Un site, un blog. Un site. Alors, et j'ai une idée, ce week-end, j'ouvre lepodcast.fr, n'importe qui m'envoie par mail une critique de podcast, je la publie. On l'a fait en wiki. Mais même, en... des questions sur un... Tu l'as fait en wiki. Mais ça se faisait, Genma, je crois, le faisait un petit peu, Narguilé, il l'a fait un petit peu sur leur blog, où de temps en temps, ils remontaient sur les podcasts qu'ils écoutaient, etc. Oui, Genma avait fait ça, oui. Ouais, mais ça manque d'une place centrale, on l'a pas, quoi. Mais même par écrit, ça changerait pas grand chose parce que quelqu'un qui s'intéresse pas au podcast va pas aller sur podcaster.fr pour lire un truc. Alors, quelqu'un qui connaisse déjà le podcast. Quand on disait que ça s'adresse aux auditeurs, c'est en opposition de ça s'adresse aux podcasteurs. C'est-à-dire qu'on va pas emmerder les gens sur la technique. On va pas dire oui, alors donc la compression, je l'aurais augmenté un petit peu parce que là tu comprends le machin. On s'en fout. C'est-à-dire, le son il est écoutable, il est pas écoutable. Point. Mais le son, il est un peu faible, c'est un peu chiant. C'est quand même quelqu'un qui va faire la démarche de dire tiens je vais aller écouter des podcasts, je suis curieux. Oui, tiens, oui, il y a podcast, bah, oui, mais ça on déjà, peut pas, on pourra voilà. Difficilement s'en défaire de ça. Non, mais ce qui a été dit jusqu'avant est malgré tout pas si bête que ça, parce que aujourd'hui qui de mieux que quelqu'un qui bosse dans une radio pourrait effectivement ramener du monde de l'extérieur en disant bah nous on a découvert une émission voilà il y a ça enfin c'est pas si con que ça. Alors évidemment moi je suis pas un supra fan des grands médias, donc c'est pas le genre d'émission que je vais écouter, mais pour autant c'est clairement le genre d'émission qui pourrait ramener des gens à écouter du podcast. Une alternative. Les grands médias vont pas le faire. Hein, ils vont passer si un instant. Ça commence. Alors, on entend de temps en temps des émissions où il y a des invités qui sont des blogueurs, des podcasteurs, des choses comme ça. Oui, il commence à y avoir une première. Ça s'arrête là. Et il y a également quelques chroniqueurs qui commencent à faire également des. Ouais, ça vient doucement. Alors, faut savoir que. Oula, c'est qui? C'est Xav. Je crois que ça hache grave. Ça silonne. Oui. Oui, tu voulais dire? Non, je parlais de certains podcasteurs de personnes qui ont des chroniques sur l'AFM, sur je sais pas Radio France par exemple, et qui à côté de ça, genre je sais pas, il y a Jérôme Colombin notamment, il y a Jean Z, qui font Sorel aussi du coup. Voilà exactement, et qui à côté font du podcast indépendant. Si jamais ils avaient la possibilité de faire une émission sur le podcast indépendant. À la radio, ils le feraient. À la radio, ça serait pas mal. Le problème, c'est qu'ils vont, ça va faire peur un petit peu. Bah ouais, parce que c'est parler à la radio. Quoi. Parler d'un truc de niche. Ils ont tort. Ils concurrencent leurs propres médias. Enfin, concurrence, on n'est pas encore là. Hein. Non mais sur le principe. Non mais on pourrait. Si Tours voulait prendre la parole. Concurrence oui ou non, parce que c'est le jour où j'ai découvert les podcasts que j'ai arrêté définitivement d'écouter la vraie radio. Hein. Oui, c'est pas faux. Mais c'est le jour où j'ai découvert la clé USB que j'ai arrêté d'écouter la radio. Et ce que disait Titours. Oui, en fait, l'intérêt aussi de podcast radio FM, c'est que tu peux choper juste la chronique d'un chroniqueur. Par exemple, je chope la chronique d'Emmanuel Barré, je ne connais même pas le nom de l'émission dans laquelle il est. Ouais, c'est vrai. Donc ça fait partie des trucs sympas aussi de fait qu'ils mettent après en ligne ce qui se passe dans leur émission. Puis pour aller dans le sens de Kenton, bah, vis-à-vis de la concurrence, quand tu vois comment se comportent les grands médias avec les youtubeurs à l'heure actuelle, il y a clairement une forme de concurrence et la manière dont ils sont regardés de haut. Je pense qu'on n'est pas loin d'un truc comme ça. C'est jamais simple en fait, parce que d'un côté, toi, t'es professionnel, tu vis de ça, et il y a ces gens-là qui font une espèce de truc en amateur où ils vont parler de leur passion. C'est pas une vraie émission, si tu veux. Donc tu les regardes un petit peu de haut. Mais ils comprennent pas surtout quoi. Mais il y a quand même des exemples. Oui. L'an dernier, le succès de Serial, par exemple, ils sont conscients que ça pourrait devenir une concurrence assez sérieuse. Mais elle l'est, hein. Là, je vais dans le sens de Kelton. Pour moi, elle l'est réellement. C'est-à-dire que elle l'est tout à fait. Mais en France, elle est.
J'écoute plus du tout la radio depuis que des podcasts et toutes les émissions de radio que j'écoute, je les écoute en podcast. Oui, moi aussi, mais ça reste, je pense, assez anecdotique pour l'instant en France. Vous faites de la voiture, vous faites de la voiture tous les deux ? Oui, on est dans la même voiture. La voiture. En fait. Non, mais alors ma position, je pense que on est des exceptions comme les hyper comme un côté hyper connecté où nous on est des exceptions. Le grand public continue à écouter la radio et à partir du moment où tu fais pas de voiture, je pense qu'il y a énormément du public radio qui est en voiture. Hein. C'est très très important. Je fais très très peu de voiture. J'habite sur mon lieu de travail donc. Mais ouais, non, mais il a raison. C'est vrai que les gens, la solution de facilité pour écouter quelque chose en voiture, c'est la radio. Mais non, c'est le kit Bluetooth ou la prise jack. Ouais, mais sinon, il y a Titour qui avait reparlé. J'aimerais bien lui laisser la parole une seconde. Bon, en fait, les grands médias aussi, ils comprennent pas grand chose à ce qui se passe sur Internet. Il y avait Natou qui avait été invité chez Ruquier dans On n'est pas couché. Oh putain, oui. Autant j'aime bien Ruquier, mais là, je le trouvais, mais qu'est-ce qu'il est con, quoi. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu? Parce que c'est vrai que c'est intéressant. En gros, vous avez combien de vues à peu près? Dès qu'il s'agit d'Internet, en gros, vous avez des centaines de millions de vues, mais en fait, c'est toujours les mêmes gens qui le regardent plusieurs fois, quoi. Et qu'est-ce que vous allez faire plus tard? Vous allez faire un vrai métier? Mais c'est quoi votre vrai métier, quoi? Elle disait, mais mon métier, je suis réalisatrice, je suis auteur, je suis... Voilà, c'est tout. Mais je veux dire, quand tu seras grande, que je fais des trucs sur Internet, quoi. Et ouais, elle a dû se justifier plein de fois. Enfin, elle répondait très bien, très calmement et tout. Oui, elle s'en est bien sortie, oui. Voilà, elle a super bien géré le truc, mais en face, t'avais l'impression qu'ils se disaient, non, mais vous faites juste des vidéos sur Internet comme ça, quoi. C'est comme Norman Cyprien, parce que les gens connaissent ça. Donc, ils croient que c'est un gars qui se met devant sa caméra et qui raconte des conneries. Et qui appelle ça podcast. Ils font des vrais contenus, quoi. C'est des vrais, c'est des vidéastes, comme ils disent. Mais ceci dit, Cyprien, on peut le troller autant qu'on veut derrière. C'est un véritable professionnel avec une armée de gens derrière lui. Hein. Ouais. Bah oui, il travaille. Alors, bah surtout qu'il a refait son décor entièrement de chez lui, mais en studio. Voilà. Mais il faut aussi faire la part des choses. Hein. Moi, je prends l'émission de La Sphère, par exemple, vous connaissez, sur Radio-Canada. Mathieu Dugal, c'est une émission très sympa qui se passe le samedi, que j'écoute aussi en podcast, et qui, depuis quelques semaines, ouvre l'antenne podcast avant l'ouverture de l'antenne FM et donc rajoute un bonus en podcast de la préparation de l'émission des dernières minutes avant de lancer d'ouvrir l'antenne. J'ai l'impression que entre les États-Unis et le Canada, ils sont en avance sur ce. Il y a effectivement une avance, mais on prend donc je reviens sur cet exemple de des capsules qu'on peut écouter en podcast et qui intègrent le fait qu'on peut l'écouter en FM, donc ils font une approche inverse. Il y a d'autres émissions en Belgique qui ont un vrai rapport avec le monde du podcast et qui invitent régulièrement des podcasteurs et qui en parlent, mais pas forcément des podcasteurs, mais des créateurs de contenu sur Internet et qui ont beaucoup, beaucoup d'interactions avec cela. Et on parle de radio nationale, hein, pas de petite radio campus. Donc, c'est peut-être encore la France qui est peut-être encore un petit peu en retrait, mais prenez les émissions de France Inter, il y a pas mal de gens qui utilisent Twitter ou Facebook, mais de plus en plus Twitter, pour être en interaction avec le public, en interaction directe, et pas pour faire du buzz, mais vraiment pour avoir une vraie interaction. Les gens avec lesquels on interagit finissent par nous suivre, on n'est pas que des followers, on est aussi écouté par ces mêmes personnes. Donc il y a un vrai relationnel qui se crée et qui se rapproche un petit peu des créateurs de contenu qu'on trouve sur Internet. Donc la frontière commence à s'élargir. Si ouais, mais je nuancerais quand même parce que en France, il y a quand même quelque chose de super culturel. On a une manière de ranger des gens dans des cases qu'on n'a pas forcément ailleurs. Oui, quand tu regardes comment les stars, par exemple, sont reçus aux États-Unis, on leur fait des blagues, mais genre des fois qu'ils vont très loin, leur balancer des tartes à la crème dans la tronche, ça peut être DiCaprio qui vient d'avoir son Oscar, on s'en fout, on le troll, on le fait danser, etc. Quand il arrive dans une émission en France, c'est alors monsieur DiCaprio, qu'est-ce que ça vous fait? Donc journal de 20h, c'est la grande messe. Et en fait, on range des gens dans des cases et les podcasteurs, c'est rien. Donc dans les grands médias, en général, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dans les cases, alors le seul petit bémol que je mets, c'est que les Américains, notamment, alors on pense à voir ce qui se passe chez Jimmy Fallon, par exemple. C'est un exemple, il y en a d'autres. Sauf qu'il faut faire attention, les Américains sont dans une culture de l'entertainment qui va très très loin et qu'on n'a pas. Et c'est pas le but mais de. Mais tout est écrit surtout. Ce qui est le paradoxe, faut pas oublier que ni les médias, ni les personnes qui viennent ne sont dans cette culture-là. Et je pense qu'on peut trouver autre chose à faire que du Jimmy Fallon, mais des choses un peu différentes, peut-être.
peut-être qu'ils changent des médias, mais en tout cas, faut être vigilant. Eux, quand ils font ça, ils travaillent. Quand DiCaprio, il fait ce genre de truc, il est en train de bosser. Ils vendent ton film. Non, mais là, on est entièrement d'accord. C'est bluffant, c'est l'enfer. Hein. Moi, je suis le premier client des lip-sync de Fallon où les mecs, c'est juste hallucinant. Je suis pas dans le c'est bien ou c'est pas bien. Juste, je ponctue en disant que culturellement, chez nous, on a une manière de traiter les gens qui est radicalement différent que dans d'autres pays, même des pays francophones. C'est différent en Belgique, c'est différent effectivement au Canada, c'est pas la même chose. C'est vrai. D'ailleurs, il y a que très peu de temps que par exemple, les acteurs peuvent faire plusieurs choses, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'avant, un acteur de film qui passait à la télé, c'était une catastrophe. Non, ça fait 40 ans qu'on parle du même problème. Oui. Hein, des acteurs français. On catégorise. Qui ont été catégorisés. Bonville, il chantait, hein. Ouais, voilà. Et Blas parlait de fruits. Voilà, Blas parlait des Canadiens. Moi, j'écoute de temps en temps comment s'appelle cette émission qui est aussi. La classe. C'est quoi ce bordel? C'est l'horreur ici. C'est trop sérieux. Un truc sur. Je ne vais pas retrouver. C'est un site. Ça y est, je vais pas retrouver. C'est le pop culte. C'est le. Ah bah, tout ça pour ça. Ah merde. C'est un site qui vient de s'implanter aussi en France. Pop en stock. Voilà, ça m'est revenu. Ce qui est très rigolo, ça n'a rien à voir. C'est que leur podcast, ils commencent par de la pub. Donc je sais pas si c'est pris sur la radio directement ou si c'est lié dans leur podcast. Mais quand tu télécharges le podcast, t'as 5 minutes de pub. Alors pas de chance, c'est des pubs pour. Un peu local sur ce qui se passe au Canada. Oui, ça c'est typique du Canada et de l'Amérique de proposer ce genre de choses. Tu podcastes les grosses têtes, des trucs comme ça, t'as pareil, t'as de la bupe au début. Ouais. Hein. Par contre, il faut faire attention quand vous faites du podcast, quand vous vous mettez à écouter du podcast canadien, il y en a des fois, c'est un peu compliqué. Il y a un langage à attraper quand même. Hein. Ouais, du moment que tu as suivi quelques 2 minutes du peuple en québécois, ça va quoi. Ouais, tu connais Magaziné et autres quoi. Tiens d'ailleurs, dans CVT, on va recevoir François Pérus. Oui. Sérieux? Oui. Ah, l'autre, depuis qu'il est en CVT, il se touche le zizi. Ah, c'est terrible. Bah, disons que c'est beaucoup mieux depuis que tu n'y es plus. Ah, mais j'en doute pas. Et bim. Et Titours voulait reprendre la parole, et ainsi que revoilà la sous-préfète. Quand on parlait tout à l'heure du rapprochement justement entre les radios FM qui se mettaient en podcast avant le début de l'émission, parce qu'il y a beaucoup de monde ici qui écoute encore les radios FM, mais en direct sur Internet. Oh là non. Non. Moi, voilà. Ça m'arrive pour les infos le matin. Voilà, c'est très rare en fait. Pareil, ouais. Mais ça, tu l'écouteras pas en podcast. Non, c'est vrai que les infos le matin en podcast, c'est voilà, quoi. Parce que tu as anxiogènes tous les matins, quoi. Parce que le truc, c'est toutes les émissions qu'on peut écouter en podcast, on va quasiment plus du tout les écouter en live. Donc le rapprochement, il est compliqué à faire. Mais ceci dit, si tu veux faire un truc rigolo, Anna, tu écoutes en podcast les infos de l'année dernière, tu verras que c'est la même chose. Ça n'a pas bougé. Hein. T'as l'impression d'aller sur Lina, je suis tout à fait d'accord. Tu peux même écouter il y a 10 ans en arrière, hein, c'est toujours pareil. C'est pas vrai, Leonardo n'avait pas de podcast, n'avait pas d'Oscar l'année dernière. C'est vrai. Non, je pose une question qui a moins à voir avec ce qu'on vient de dire. C'est des gens qui font du live et qui après le mettent en podcast. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y en a qui montent ou est-ce qu'il y en a qui mettent le truc brut comme ça? Nous, on remontait complètement l'émission. Bah, l'intérêt, c'est l'interaction avec les gens qui écoutent. Ça dépend. Voilà. Il y a les deux écoles. Hein, ouais. Ça dépend si tu prépares beaucoup avant ou pas. Genre CVT, apparemment, de ce que moi j'ai entendu l'autre soir, il y a tous les jingles, tous les sons qui sont casés, qui sont bien préparés. Il y a d'autres épisodes, ils savent très bien qu'il y aura du montage derrière, donc ils vont moins faire attention à ce qui se passe pendant l'émission. C'est toujours pareil, il le met assez brut. Il y a d'autres émissions, avec Barberousse qui dit bon, je rajouterai le son après, ou là je couperai. Enfin voilà, il sait très bien qu'il va faire le montage, donc il peut se permettre de faire de plus trancher ou d'avoir un ton différent. Quoi. On parlait de l'apéro du capitaine, je prends l'exemple de l'ADC. L'ADC, ça leur est arrivé de couper des trucs. La version. Que c'est aparté un peu dans le côté nazi, les chemises et compagnie. Il y a de la censure qui arrivait, de la censure d'eux-mêmes, hein, c'est pas de la censure qu'on leur demandait, mais eux souhaitaient pas transmettre ça. Enfin, c'est LTP surtout qui disait ça passera pas, ça on va avoir des problèmes. Oui, ils voulaient éviter le problème Lego, quoi. Oui, voilà. Et sachant que même des fois, ils coupaient le live pour en discuter entre eux et revenaient 5 minutes après. Voilà. Ça s'est arrivé plusieurs fois aussi. Je prends l'exemple aussi des sondiers où on n'a pas des pauses musicales quand on écoute ça. Ouais, des fois, c'est dommage.
Ouais, c'est peut-être dommage, mais moi je préfère. J'aime pas les pareil, podcasts dans les podcasts. Moi j'aime bien quand il y a de la musique dans les podcasts. J'aime non, mais moi, je dis ça juste pour faire chier Karine. Moi j'écoute la tête au carré, j'ai deux pauses musicales, ça me pompe. Pareil, ça me casse. T'as le bouton plus 30 secondes au pire. Ça fait chier, utilise le bouton 30 secondes, alors quand tu roules, c'est chiant. Pas tout ça même temps. Ça dépend de l'émission. Moi en radio traditionnelle, j'écoute... Sur les épaules de Darwin, où t'écoutes ça, un peu par un côté très presque livre audio, je sais pas, où t'es vraiment dans une histoire, où c'est et la pause musicale est toujours elle fait partie du adaptée, truc. Elle fait partie de l'émission. Je pense que jamais. C'est la contextualisation qui compte pour l'émission de Danessen, oui, d'accord. Là, on est d'accord. Affaire sensible, pareil. Mais pour les autres, je suis pas d'accord. Ils ont des pauses musicales qui n'est pas forcément. Il y a d'autres émissions sur France Culture, des émissions de documentaires comme Les Pieds sur Terre ou Sur les Docks, où les pauses musicales sont toujours en lien avec le sujet de l'émission. Oui, c'est pas la ligne éditoriale de la radio, quoi. Non, c'est pas la... Mais voilà. Parce que ils ont leur quota de musique. Allez, maintenant, le dernier qui est Gigi. Mais moi, le Djoubaka, le programmateur musical de France Inter, France Culture, il est fabuleux, parce qu'il trouve des choses qui sont hyper adaptées. Voilà. Après, quand c'est poser une musique pour poser une musique, ça n'a pas d'intérêt. Bah, surtout dans les podcasts musicaux, quoi. Non, franchement. Ouais, c'est vrai. Bon, les abyssales, ils arrêtent pas d'interrompre les commentaires. J'avoue que les sondiers, ça me gêne pas qu'il n'y ait pas les pauses musicales, même si ça peut être sympa à écouter. Quand je les réécoute, moi, en replay, c'est pas. Enfin, en podcast, ça me gêne pas qu'il n'y ait pas les pauses musicales. Sinon, Seven qui nous faisait une chorégraphie d'emoji dans le chat. Oui. Bah, c'est juste pour dire que moi, à la base, comme je n'écoute pas du tout de podcast, je m'y saura. Mais ouais, si vous écoutez Techcraft, vous le savez. Mais je m'y suis mis simplement à un seul podcast parce qu'il y avait de la musique. Et ça me fait chier, en fait, quand ils se mettent à causer. Oui, mais c'est différent, c'est le but d'être de la musique. Mais c'est lequel de podcast? C'est un but tout à fait avoué, c'est Les Démons du Midi. Ah bah oui, mais là, ah bah c'est oui, mais c'est pas la même musical. Chose. Voilà. C'est pour la musique. C'est Les Démons du Midi. Voilà. C'est un podcast musical. Et donc, moi, à la base... À la base, en fait, quand j'avais ma radio et que j'avais pas d'autre système que la radio, ça me faisait chier quand ça causait ou quand il y avait de la pub. Mais oui, parce que tu cherchais à écouter de la musique. Quand t'écoutes un podcast, tu cherches à écouter des gens qui parlent. Bien sûr. Sauf les démons. C'est pas du tout le même. Tu cherches à écouter de la musique, justement. Il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui écoutent encore de la musique sur la radio, non? Tu connais ou quoi? Bah, apparemment. À quoi ça sert YouTube? À quoi ça sert YouTube alors? Bah, quand t'es en voiture. Ah ouais, pas con. Tout le monde n'a pas la 4G. Ce qui est con, c'est que toi, quand on parlait tout à l'heure. Non, mais on sait, pour la petite blague, quand vous demandez ça à des, ouais, on va dire à des collégiens aujourd'hui, comme péremptoire, c'était direct, c'était gratuit, c'était méchant. Ah, ouais, c'est vrai. Ils écoutent plus du tout. 90% de la musique qu'ils écoutent, c'est YouTube. Hein. Ça leur sert de radio, quoi. C'est ça qui leur sert de radio. Maintenant, ouais. Bah, il y a pas que, il y a beaucoup de gens qui utilisent YouTube comme radio. De baladeur plutôt. Et du coup, il y a Kenton aussi dedans. C'est-à-dire que voilà. Voilà, c'est ça, on est sur toutes les brèches, on est dans toutes les oreilles, c'est le but. Mais ça, Kenton, on est bien d'accord, tu fais de l'audio sur YouTube, hein. C'est bien ça, hein. C'est ça. Oui, mais du coup, j'ai pas expliqué pourquoi on faisait ça, j'expliquerai plus tard. Bah, explique maintenant, tant que tu veux maintenant. Bah oui. En fait, nous, on est un peu spécial parce que justement, on a... Spéciaux. Oui, pardon, je voulais dire l'émission est spéciale, pardon, excuse-moi. Spéciaux, ah non. Vous êtes spéciaux aussi, hein. Oui, bande ça, de chaco. Moi, je te trouve un peu spécieux. Mais... C'est qu'on a voulu en fait créer une émission pour une web radio amateur de jeunes qui commençaient, quoi, et que la web radio n'a pas marché. Mais nous, on voulait continuer. Donc, du coup, on s'est exporté en live sur YouTube parce qu'il nous fallait le moyen de continuer en live comme c'était sur la radio pour les 6 premiers épisodes. Et puis que moi, j'ai écouté du podcast depuis bien avant le début de Techcraft, et je me suis dit, bah, ça me fait chier, j'aimerais bien aussi rendre le format disponible en podcast, puisque bah, ça colle, c'est le principe, c'est on fait une émission audio et voilà, et surtout que la vidéo n'apporte pas grand chose, c'est un petit plus, mais c'est pas du tout essentiel pour écouter le podcast, donc... C'est mieux pour la compréhension, et c'est aussi mieux pour avoir des retours, puisque il y a le chat en direct, quoi. Voilà. Ouais, mais en ça, il y a d'autres moyens. Hein. Oui, voilà, il y a d'autres moyens. C'est pas pour montrer vos belles gueules. Voilà, non. C'est sûr. Pour ça, il y a PS Code. Oui, pour voilà. L'instant, j'ai jamais fait la démarche de regarder une de vos vidéos, mais c'est vrai qu'il y a de temps en temps, quand vous êtes en train de parler d'un truc et que vous dites, voilà, comme vous voyez sur la photo, ah, Kenton, t'es en retard, il faut mettre t'as quand même, enfin, ça donne envie quand même.
On précise, ouais, mais honnêtement, tu peux t'en passer parce qu'on essaie. Moi, j'essaie en tout cas tout le temps de verbaliser ce qui se passe à l'image pour que ça soit vraiment. Si t'as envie d'écouter en live, tu peux. Si t'as envie de participer aux commentaires, tu peux. Et donc, du coup, tu vas pas juste avoir une image fixe, tu vas avoir les images de ce qu'on parle. En général, c'est une image par sujet, voire très souvent, c'est plus illustratif qu'autre chose. Il y a que moi qui est un peu dérogé à la règle avec mes chroniques où j'essaie d'aller trop loin. Non, c'est vrai, il fait ça depuis longtemps, mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir toujours qu'une image. Voilà, et puis en général, le périscope, c'est pas pour montrer ma gueule, c'est pour avoir un peu plus d'audience, c'est tout. Ouais, mais Phil, il parle tellement qu'il a plus la place pour parler, donc il fait des dessins. Ouais, c'est ça. Et les émojis simplifiés. Mais tiens, sinon, je voulais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure de comment faire pour que les gens qui écoutent pas de podcast se mettent à écouter du podcast. Juste pour une petite. Ça peut marcher. J'ai juste une question pour toi, Phil, en fait, parce que tu parles de podcast depuis avant, mais tu parles d'une technologie de diffusion. Pourquoi pas parler de production audio dans ce cas-là, ou vidéo ? Quel que soit le support, en fait. Parce que justement, on parle de live, de catch-up, de rediffusion, de machin. Est-ce que la problématique, c'est pas ça ? Pourquoi affubler ça à du podcast ? Pourquoi pas juste une production audio ou vidéo, voire les deux ? Parce que production audio, c'est plus long à dire que podcast, concept plus haut terme. Mais sur le fond, je concède que tu n'as pas complètement tort. Et c'est vrai qu'on devrait parler d'émissions tout court, ou d'émissions de radio. Ouais. Et de dire que nous on fait des émissions, sauf que le problème c'est que le monde n'est pas encore prêt. Sachant que émission en anglais devient broadcast, d'où est venu podcast. Donc voilà, émission c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je disais production audio ou vidéo, tu vois, comme ça on n'a pas la notion des maîtres. Alors de la balado diffusion si tu veux, c'est de la non, c'est le podcast français, c'est le podcast en français. Non, québécois pour le coup, mais non, français. Tu regardes l'académie à l'école, t'es obligé de dire. Balado diffusion. Si tu t'abonnes grâce à ton courriel, tu recevras les émissions et tout, c'est chouette. Ouais, tu pourras les graver sur ton CD-ROM avec des accents. Il me semble que c'est québécois courriel et qu'en français c'est mail M accent grave L. Exactement, c'est exactement ça, mail. C'est vrai. Eh ben, écoute, moi je bosse avec les collectivités territoriales et c'est courriel partout. C'est fou ça. Tiens, donc je disais avant que Kenton commence à vouloir partir sur un autre sujet qui est très intéressant, sur lequel on reviendra juste après. C'est pas un autre sujet. Non, mais du thème de comment. C'est vrai qu'on pourrait l'appeler différemment, mais le problème c'est que déjà les gens ils connaissent pas le podcast à l'heure actuelle, alors que c'est un terme que déjà Radio France commence à utiliser. Si on commence nous à changer de terme, je suis pas sûr que Radio France nous suive de suite. Mais il manque un mot, c'est vrai qu'il manque un mot plus juste par contre. Oui. Et plus simple à comprendre et peut-être pas en anglais quoi. Et mais pour revenir sur la balado diffusion, techniquement c'est un terme proposé par l'Office québécois de la langue française. Oui c'est ça. Les pauvres. Il me semblait bien que ça avait une origine québécoise. Bref, mais c'est de la langue française. Vous disiez il y a deux solutions, soit on est baisé, soit les radios commencent à parler du podcast dans leurs chroniques, etc. Mais pour l'avoir vécu moi-même et avec moult renfort de Sachi, lorsque Topito a fait un article sur les podcasts, je peux vous dire que ça a eu un impact direct sur notre serveur et que ça continue à en avoir un, alors que l'article maintenant il doit dater d'il y a un an où ils avaient juste fait le top 10 des podcasts à découvrir et où pourtant ils avaient utilisé les podcasts, que dedans il y avait effectivement je crois deux ou trois podcasts de radio. Mais c'est qui déjà qui avait fait ça ? C'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu. Je sais plus. Mais a priori, tu tapes Topito podcast. A priori, ça, tu devrais arriver à tomber dessus. Et il avait fait les liens vers les fiches PodCloud des podcasts. C'est pour ça que ça a eu un impact direct sur notre serveur. C'est un ancien de Will & Co qui bosse chez Topito. C'est possible. C'est Benoît Lebrun. Benoît Lebrun, voilà. Ouais, puis c'était un top 10. Ça, les top 10 sur Internet, tu peux pas tester, ça marche. Hein. Oui, voilà. Donc ça aussi, c'est une solution. J'ai trouvé un top 30 que j'ai mis dans le chat. Très bien. Non, il y a beaucoup de France, il y a pas mal de radios, mais oui, c'est. Bah, c'est sûr. Après, même moi, c'est ça, mais c'est Feel Good. L'autre élément que je mettrai en avant, moi, mon unité de mesure, c'est maman. Ma maman à moi, elle maîtrise le replay pour regarder. Elle maîtrise le replay pour regarder Castle. Ça veut dire que sur la télé, ce qui paraît compliqué au départ, parce que c'était pas gagné. Alors elle a un iPhone, elle a pas un certain nombre de choses où elle est pas allergique à la technologie, mais intégrer le replay télé, ça a marché quand elle a eu besoin. Le podcast, ça marche pas pour deux raisons, parce qu'il y a toujours cette démarche de télécharger le truc, ce qui est pas forcément évident, et c'est surtout sur quoi je l'écoute. C'est-à-dire que nous, on passe notre vie avec notre smartphone dans la poche.
Podcast Addict. Et surtout, on a des casques sur les oreilles. Si t'as pas des casques sur les oreilles, écouter des podcasts. Moi, je suis quelqu'un qui n'écoute pas de podcast sur son ordinateur, ça me casse les pieds. Si, quand je fais du live le dimanche soir, de temps en temps, voilà, où ça tourne en même temps que je fais autre chose. Mais sinon, c'est au casque. Quand t'as des gens qui n'ont pas de casque ou qui n'ont pas la démarche de faire ça, t'es pas prêt de populariser le podcast de cette manière-là. Ouais. Mais pour reparler de ta maman, là, je pense qu'on touche du doigt quelque chose d'important. On pas ta maman, le sujet. Non, dis pas les mamans, merde. Je m'en suis aperçu au milieu de la phrase. Mais qu'il est con. Là où tu dis, c'est que elle est pas allée sur le replay parce qu'elle voulait aller juste sur le replay. Non. Elle est allée sur le replay parce qu'elle voulait regarder une série en particulier. Complètement. Bah évidemment. C'est par le contenu que tu pousses les gens utiliser la technique. Et à faire et je fais d'ailleurs quand je veux faire écouter des émissions de radio à des gens et que je les envoie vers un lien d'un catch-up replay quelconque, soit sur le site en général, vers le site de la radio. Et c'est ce qui amène les gens à découvrir qu'il y a moyen d'écouter autrement que sur le poste. Complètement. Ça. Et d'un autre côté, quand je rencontre quand je côtoie des gens qui sont pas du tout versés dans l'internet et certainement pas de la production de contenu, et que je leur parle entre autres du fait que je fais un podcast, je leur dis pas je fais un podcast, je leur dis je fais une émission de radio. Et ils me disent ah ouais, c'est diffusé où? Sur internet. Et voilà. Et bah oui. Je me casse même pas les pieds à leur dire que c'est un podcast. Parce que ça leur passe pas à 10 km au-dessus. Je dis, je fais de la radio et on diffuse sur internet. C'est tout. Bah oui. Quand j'ai commencé à parler de ça à ma mère, je lui ai dit, bon bah voilà, en ce moment, je participe avec Kenton à une émission, je fais un podcast. Elle a dit, retourne dans ta chambre, arrête tout de suite. Laisse Cyprien tranquille. Non mais arrête de voir Cyprien, elle le connaît pas du tout. Non mais c'était une blague pour le podcast. mais ouais, et du coup je lui ai dit, non attends, je fais une émission de radio qu'on enregistre sur internet. Ah d'accord, et on écoute ça comment? Sur YouTube. C'est quoi? Ah, et puis après elle a compris. Mais il y a deux trucs, c'est que effectivement aujourd'hui il y a pas de plateforme vraiment qui soit concurrente à YouTube pour le son véritablement. C'est-à-dire qu'il y a pas d'outil aujourd'hui qui permet de faire exactement ce que propose YouTube et la simplicité que va être YouTube. Bah, c'est ce qu'on a tenté faire avec PodCloud, mais le problème c'est qu'on a un peu l'audience de Dailymotion en plus petit. C'est ça. C'est triste. Mais vous allez. Et vous manquez bien avec Vodou. Hein. Et puis le deuxième truc, c'est qu'il faut pas oublier quand même que si tu fais une moyenne, faire la démarche d'écouter quelque chose juste à l'audio, enfin où il y a pas du tout d'image, bah, c'est pas n'importe qui non plus. En fait, il y a quand même une sélection naturelle qui se met en place. Ouais. Ça te demande de faire travailler un petit peu ton imagination. Bah, c'est pas la même chose. Alors que moi, j'ai du mal maintenant avec l'image. Bah, je suis un peu comme toi, moi. C'est-à-dire que en fait, j'écoute quelque chose et je fais autre chose en même temps. Ah mais moi je regarde aucun podcast vidéo par exemple. J'arrive pas à un podcast vidéo, j'ai du mal. Non, je craque assez vite aussi, ouais. Voilà, c'est. Alors faut savoir que c'est une citation de Pierre Bouteiller qu'on a en signature de la mailing list de Podchose, qui est dans les années 50, tout le monde se réunissait pour regarder le poste de radio. Tout à fait. Et maintenant les gens écoutent la télévision. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que. Mais non, moi je suis là-dessus, je suis pas d'accord avec vous sur l'intégralité. C'est-à-dire que moi j'ai deux usages qui sont complètement séparés et hermétiques. C'est-à-dire que je vais avoir le soir, au moment d'aller me coucher, tendance à regarder 2-3 vidéos YouTube relativement courtes. Dis YouPorn. Non, YouTube. YouPorn, c'est après. c'est quand j'ai du mal à m'endormir. Un peu d'activité physique, ça aide toujours. Je sais plus où j'en étais avec ces conneries. Avec le moment. Mais non, mais j'ai bon, YouTube rien le à soir. Voir. Donc, c'est YouTube le soir où j'ai quelques chaînes YouTube que je suis, dont Y Penser, dont les questions cons, dont des formats courts uniquement. Moins de 15 minutes. Je vais avoir du mal à regarder quelque chose de plus d'une demi-heure, à moins que le sujet m'intéresse énormément. Mais et ça, là, c'est le principe des conférences TED. Voilà. Il peut y avoir, par exemple, des conférences TED, justement, de plus de 30 minutes que je vais suivre. Il va y avoir une conférence qui s'appelle Linux Sucks. Je sais pas si vous l'avez déjà regardée, mais elle est à mourir de rire. Si vous êtes un peu fan de Linux, je vous conseille de la regarder. Qui elle fait 45 minutes que j'ai regardé hier et du coup je me suis endormi tard et je me suis pas réveillé ce matin. True story. Et il va y avoir de l'autre côté les podcasts ou le format audio en règle générale. D'accord, parce que vu qu'il y a un peu d'affaires sensibles dedans, je sais pas si je dois le classer dans podcast au bout d'un moment. On va le dire, il y a la FM en replay.
que là par contre je vais écouter au volant de ma voiture, que je vais écouter en faisant ma vaisselle, que je vais écouter à des moments où je n'ai pas de disponibilité complète. C'est-à-dire, je vais avoir une disponibilité partielle, de la même manière que, je sais pas, avant j'écoutais de la musique. Ça a remplacé. Ah oui, ouais, il y a quelque chose comme ça, ouais. Mais c'est un problème de temps aussi. Moi, j'ai 45 minutes de transport aller, 45 minutes de transport retour, mais 50. Alors, l'exception, je suis désolé, j'en parle beaucoup, mais j'écoute en ce moment. Mon exception, c'est un peu les sondiers que j'essaie d'écouter en live parce que sinon, ça me prend au moins 3 ou 4 jours du coup d'aller-retour. Même pareil, 3 ou 4 jours. Parce que c'est quand même des émissions qui font 2, 2h30, 3h. Donc, le fait de l'écouter en live me permet de, d'abord, parce que c'est des fois où je suis là, et effectivement, comme vous, je fais autre chose. Je joue, je fais des trucs, je fais de la vaisselle, etc. Mais ça me permet de que ça absorbe pas mon temps parce que après on a un temps d'écoute qui est limité aussi à un moment. Ben oui, bien sûr. Ah ben de toute façon, je pense que le fait que toi tu aies 45 minutes aller, 45 minutes retour, t'es déjà dans la moyenne haute, très haute disponibilité pour écouter. Et c'est pour ça d'ailleurs que des émissions qui sont très longues, alors là je vais me tirer une balle dans le pied avec son guichet microphone forcément, qui a quand même fait le record d'une émission de 5 heures il y a un mois, mais ou des émissions qui sont longues et qui sont régulières, au bout d'un moment c'est pas jouable, ou alors sinon tu suis plus que celle-là quoi. Bah c'est un peu le problème. Moi, je suis très content, par exemple, que TechCraft soit plus court maintenant. Moi, je les écoute tous là, et c'est plus simple pour moi effectivement quand elles sont légèrement plus courtes. Malheureux, t'habitues pas. Ouais, mais je le dis, hein, moi je préfère les émissions effectivement plus courtes, ça me permet de découvrir aussi d'autres choses, ça laisse du temps en fait tout simplement pour ne pas écouter qu'un seul podcast et je mets un point d'honneur moi que mes émissions dépassent pas une certaine taille parce que même quand on a envie de continuer à parler ou etc, ou alors de les découper en plusieurs épisodes et puis on les livre après en décalé, mais c'est vraiment un choix parce que moi en tant que consommateur je préfère quand c'est plus court. Maintenant il y a des podcasts qui sont très longs que j'écoute quand même parce que c'est des gens que j'aime bien, parce que le sujet me plaît et que voilà, je vais pas me restreindre à cause du temps, mais voilà, il y a des émissions où j'aurais pu en écouter 3 ou 4 à la place. Alors, TMDJC, t'imagines pas à quel point c'est frustrant de devoir se limiter à que 2 news. Ouais. C'est affreux. Mais si, alors crois-moi, fais-moi confiance, je sais exactement ce que tu vis quand c'est comme ça. Ça m'est déjà arrivé pour un contrôle de réécouter TechCraft, et effectivement, je trouvais que c'était long. Mais par contre, quand tu le fais, quand tu l'enregistres, t'as l'impression que c'est trop court, quoi. Bah oui, c'est pareil, on a déjà fait 2 heures, non, c'est pas vrai, putain, mais vas-y, on continue un peu, quoi, tu vois. On a été invité par les mecs de Level Max, on a enregistré une émission qui dure 4 heures, je sais plus combien, simplement autour de Street Fighter, et les 4 on les a pas vu passer, on les enregistre. Ouais, tu m'étonnes. Après, je ne sais pas comment les gens vont écouter ça. Après, c'est un autre débat. Mais bon, là, du coup, la balle est dans leur camp, quoi. Donc, Seven. Non, mais c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ah, je sais pas, il lève la main, alors. Non, mais c'était tout à l'heure. C'était au moment où ils disaient, voulaient dire que c'était frustrant. Par exemple, on a juste commencé à discuter. Je veux dire, bon, ça fait 1h40 qu'on enregistre. Ça passe très vite, quoi. Mmh. Oui, on est dimanche. Merde. Non, on n'est pas encore dimanche. Ah bon, d'accord. Vas-y, le week-end commence à peine, arrête de nous péter le moral. Mais oui, la longueur et se restreindre dans l'enregistrement, c'est quelque chose que, quelque part, si on veut augmenter la qualité au sens large, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir commencer à faire, quoi. Peut-être que on se pose avec un micro puis on discute jusqu'à plus soif. Le truc qu'il faut qu'on continue à faire, mais c'est triste. Ça dépend du contenu et de la ligne éditoriale. J'écoute pas régulièrement TechCraft, ça me semble pas mal sur les news. Tu peux pas faire des trucs de news de 4 heures toutes les semaines, c'est juste pas tenable. Non, c'est clair. C'est insupportable. Quand t'as des émissions type Plan B, où il y a un sujet qui est là, ça se tient. L'apéro, c'est une exception, et ils ont quand même un peu réduit la voilure quand même depuis quelques temps. Mais après, l'émission... L'apéro, c'est pas l'apéro qui dure 4 heures, c'est une dizaine de rubriques différentes. Mais voilà, ça dépend vraiment de la ligne éditoriale. Faire long pour faire long, enfin, j'exagère un peu, mais il y a un moment où ça se limite aussi. Oui, les formats courts sont plus agréables et pour l'auditeur, et même en général pour ce qui est dedans quand même. Hein. C'est mieux de se rassembler un peu. Ouais, c'est vrai que j'écoute quelques émissions techno, entre autres les technos qui se passent en Belgique, et ils mettent un point d'honneur à faire ça très très court. C'est toutes les semaines, et du coup on a toujours plaisir à écouter parce que on sait que une demi-heure c'est torché, on a vraiment le point de
de l'actualité, ce qui m'empêche pas d'écouter d'autres émissions tech qui sont plus longues parce que l'ambiance est différente et la manière de faire est différente, parce que j'aime bien les animateurs, donc il y a un petit peu des deux. Après, ouais, ce que je voulais dire, c'est que je rejoins totalement ce que disait Laurent, c'est par exemple sur l'apéro original, donc c'est un podcast que je fais avec d'autres potes. Le premier épisode, on enregistrait ça, on va dire, dans un après-midi. Et au final, le premier épisode dure 5 heures. Je l'ai jamais fini d'ailleurs. Oui, et c'est un petit peu quand je l'ai monté, j'ai eu du mal à le monter parce que c'était hyper lent. Et après, tout de suite, on a dit, bah, de toute façon, on a un format qui peut être découpé en plus court. Et du coup, maintenant, ça donne des 1h30, 2h grand maximum par émission. Donc il y a aussi ça qui joue aussi, je pense, qui joue dedans, quoi. Ouais, deux heures de podcast, c'est suffisant, je pense. Bref, ça dépend. Je pense aussi, ouais. Mais c'est vrai, tu voulais réagir. Ça m'embête pas de faire des pauses. Moi, j'écoute beaucoup au travail. Oui, moi aussi. Au travail la nuit. Et puis, régulièrement, bah, dans mon écoute, je suis dérangée. Je peux pas écouter jusqu'au bout mon podcast, mais je le reprends plus tard, quoi. Mais même si t'écoutes pas d'un coup, je trouve que c'est long. Parce que finalement, tu finis par passer 3 jours avec les mêmes personnes, quoi, tu vois. Ouais, et je pense que ça doit être encore pire avec tout ce qui est vidéo comme contenu. Je pense par exemple à Kenton quand il fait ses lives du lundi soir. Je regarde à la fin de la soirée le temps que ça a passé. Finalement, on fait des lives de 4-5 heures d'affilée. Je me dis, mais qui c'est qui regarde ça? Bah, moi je tiens pas toute la longueur par exemple. J'aime bien. Ah, j'imagine, oui. Mais je tiens pas toute la longueur. Je fais autre chose. J'imagine, ouais. Je finis par craquer pour diverses raisons, parce que c'est long, quoi. Ah ouais, c'est clair que c'est long. Moi, je me suis rendu compte que j'avais une playlist qui devenait plus gérable par rapport à mon temps d'écoute. Et j'écoute comme beaucoup, beaucoup de... J'écoute dans la bagnole, j'écoute le soir, j'écoute régulièrement. Donc, au fil de la journée, je m'en mange. En général, je mets même, pour certains podcasts, je les mets à 25% de la vitesse pour en manger un peu plus. On s'y habitue bien. Si tu les mets à 25% de la vitesse, tu dois en manger 4 fois plus, du coup. Mais ça te prend plus de temps. Je pense que tu les mets à 125%. Ça fait 75% de la vitesse. Donc, je mets 25% plus vite. D'accord, ok, c'est mieux. Pas 25% de la vitesse. Sinon, oui, pardon. Oui, je mets 25% sinon, plus vite. Cobalt voulait prendre la parole, puis après Xavier. Et ce que j'ai réalisé, c'est que, du coup, comme j'ai pas mal d'émissions et que je les télécharge de manière systématique, je zappe de plus en plus. Il y a des émissions, j'écoute le début, je prends des émissions de radio de type La tête au carré ou La conversation scientifique. Ouais. Si le sujet n'est pas vraiment un sujet qui me passionne ou au contraire un sujet que je connais plutôt bien et que je me rends compte que j'ai encore 40 épisodes que j'ai envie d'écouter, je zappe. Ou carrément, effectivement, le plus 30 secondes je commence à l'utiliser de plus en plus souvent parce que il y a des rubriques qui me passionnent pas et que je les traverse. Donc j'ai une écoute un petit peu plus active parce que effectivement, sinon à la fin de la semaine, ça se cumule et puis j'arrive pas au bout. Ça m'embête. Oui, t'arrives à 125 heures de podcast en retard. Mais c'est 130 épisodes de retard là, tu vois. Et 125 heures, c'est le moment où tu te coupes le bras, non? c'est 123 heures. Quand j'ai commencé à faire du podcast, vu que je découvrais en même temps le média et tout ce qu'il avait à offrir, moi ça me dérangeait pas de passer 5 heures à écouter des podcasts. Et du coup, quand j'en faisais, ça me dérangeait pas de faire des émissions de 3 heures. Ouais, t'as cru que c'était la norme, toi, en fait. Non, puis je me suis dit, on est libre, on n'a pas de format, allons-y gaiement. Cobalt, t'étais pas entouré de bavards, ça qui était bien, quoi. Mais dans l'absolu, on fait un peu ce qu'on veut. Nous, quand on a lancé les sondiers, qu'on avait fait nos émissions, enfin nos réflexions et préliminaires, on s'est dit 1h30, c'est bien. Si on tape sur une émission d'une heure et demie, c'est pas mal. On n'a jamais réussi. Dès le départ, on a été plutôt autour de 3h, et ça nous correspond bien. Alors, ça correspond probablement pas à beaucoup d'auditeurs, et on perd probablement pas mal d'auditeurs à ce sujet-là. Dans l'absolu, presque tant pis, parce que l'émission, on l'a fait. Et alors, c'est typique de ce que les podcasteurs font, on l'a fait avant tout pour nous, et puis on a un certain public qui nous écoute, même s'ils zappent, même s'ils prennent en replay, même s'ils mettent une semaine pour l'écouter, et ben c'est pas bien grave, et puis s'ils font sauter la moitié de l'émission, c'est pas grave non plus, au final, c'est pas très très important. Ouais. Tant que la bonne humeur et le podcast dans la bonne humeur, péremptoire. D'abord, ça joue parce que on le fait avant tout parce que on a vraiment plaisir d'être ensemble et de parler d'un sujet qui nous passionne. Donc du coup,
on ne veut pas faire plus que 3 heures, et c'est rarissime qu'on a fait parfois 3h10, mais on tient vraiment à 3 heures, le temps de dire au revoir parfois. Au plus court, je crois qu'on a dû faire 2h30 peut-être. Mais voilà, c'est un format qui nous convient. On a déjà fait des remarques en nous disant « Ouais, c'est un peu long, j'ai du mal à vous écouter ». Ben ouais, tant pis, il y en a d'autres qui nous écoutent, c'est un choix, c'est pas évident. On sait que si on devait faire une heure et demie, ben on tiendrait pas, ou on devrait faire à toute vitesse et on n'arriverait pas à développer comme on a envie de le faire. Donc du coup, ben voilà, on a choisi notre format, et il s'est un peu imposé à nous, mais il nous convient bien. Ouais, je te suis à 100% là-dessus, sinon, il faudrait pas non plus réduire. Xav voulait prendre la parole, s'il est toujours là. Ouais, oui, non, c'est, mais... c'était justement sur pour savoir qui écoutait un accéléré pour justement pallier à cette problématique des podcasts. Moi de plus en plus. Moi ça déforme des émissions. Trop l'écoute, je trouve. Enfin, ça déforme le son, c'est dégueulasse. Non, il y a des émissions où les gens sont longs. Par exemple, quand au hasard il y a le NES Blog qui est dans Podcasters, là, ah merde, il est plus là. Il est parti. Non, c'est pas drôle. Non, mais blague à part, et c'est vraiment pas une connerie, le Nesblog, ils ont un ton qui est très posé. Et donc, oui. Du coup, l'accélération peut passer. C'est pas parce que je dis pas qu'ils sont lents, mais juste, ils parlent sur un ton beaucoup moins surexcité, on va dire, que la plupart de mes camarades podcasteurs. C'est pas l'apéro, quoi. Typiquement, c'est un bon contre-exemple, effectivement, de podcast où on peut pas mettre l'accélération, quoi. Non, c'est clair. Mais après, c'est vrai que ça demande d'être un peu plus attentif à l'écoute. À faire sensible fait partie des émissions, par exemple, que j'écoute systématiquement à plus 25, à un point que maintenant, le jingle, quand il passe à vitesse normale, ça me paraît bizarre, ça me paraît super bon. Déjà qu'il est bizarre normalement, hein, de base. Hein, mais du coup, non, lui, il est toujours à plus 25, voire à plus 50 dans certains cas, parce qu'il a une manière de parler qui est très phrasée, très, très travaillée, qui m'agace un petit peu. J'aime bien le contenu, mais j'aime pas sa manière de faire. Donc à plus 25 ou à plus 30, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, ça me berce. En fait, oui, hein. Non, mais qu'il ait une certaine audience et qu'il plaise. Moi, elle me plaît pas énormément. Je préfère le contenu que le contenant. Et du coup, à plus 25, ça me convient bien. Puis en même temps, ça me réduit l'émission. Je peux passer à la suivante plus vite. C'est le problème aussi des quotidiennes, hein, parce que quand tu te prends la tête au carré en quotidienne, le affaire sensible en quotidienne. Après, j'ai des émissions sur la première, des émissions sur la RTBF, qui sont toutes des quotidiennes. Je suis vite à 2-3 heures d'émission par jour, en plus des hebdomadaires et de celles qui arrivent de temps en temps. Hein. Donc c'est ingérable à la fin. Ma playlist fait 400 heures ou 300 heures. 300 heures. Et si, comme je disais tout à l'heure, quand il y a TMDJZ qui était parti parce que son PC avait planté, tu tapes un podcaster avec le Nesblog qui parle lentement, là il faut que tu mettes l'accélération à 150, ça passe. Hein. J'ai testé. Non, mais là c'est normal. Quand Cœur de Vandal s'est pas parlé, il est comme ça dans la vie de tous les jours. Mais oui, non, mais je disais, c'est pas une critique, c'est juste qu'ils ont un ton qui est posé et qui est pas. On tente de se surexciter à mort. Comme c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de podcasts. Le facteur de Xavier qui est pas mal aussi. Non. Dans l'émission, dans Podcast Addict, en général, j'écoute pas via Podcast Addict, je télécharge seulement, mais j'ai trouvé que le feature de la coupure des blancs est plutôt pas mal. C'est une bonne idée, une bonne manière de faire. Ouais, je Podcast Addict, sauf quand t'as un bed. Il m'a réconcilié avec YouTube parce que je regarde des chroniques YouTube que je regardais plus du tout grâce à l'outil que je trouve vraiment bien fait. Ce serait idyllique si en plus on pouvait charger les vidéos pour partir avec. Mais là, je sais que ça soulève de gros problèmes techniques. Ouais. Lego, enfin, les problèmes. Voilà, c'est ça. Les problèmes, c'est surtout Google et. Voilà. C'est-à-dire que déjà, quand il y a un mec à poil avec des tétons accrochés à... Enfin, des bouteilles accrochées à ses tétons, on remercie le podcast. On a des problèmes après. L'application disparaît mystérieusement. Ah, c'était pas l'apéro, bah pour non, une fois. Non, c'était pas l'apéro, non. Non, d'ailleurs, ils se sont disculpés dans la dernière émission. On sait qui c'est d'ailleurs ou pas? Xavier? Oui. Xavier? Il est mort. Non. On sait qui c'est alors, qui était le coupable? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est Laurent Doucet. Non. C'est pas moi. Ou alors, qui était le coupable? Ah, ouais, c'est pas moi. Comme par hasard. Quelle est la réponse? Comme par hasard. Coupable qui lui fait une attaque des doigts. Théorie du complot. Bon, mais non, mais c'est pour information, vous avez, on t'entend pas. Bienvenue à Venuille.
C'est Canal Plus encrypté, c'est tout. Police secrète municipale. Donc, est-ce qu'on a la réponse, Xav? Non, non, toujours pas. Il est en mode Canal Plus, en fait. Il en revient plus. Non, mais donc il y avait vraiment un problème avec Google, c'est la preuve. Enfin, je veux dire là. Ouais, non, mais là, non, mais surtout que je sais pas comment ils ont fait pour toucher à Mumble, parce que c'est pas un service de Google pour une fois. Non, mais c'est Internet. C'est hébergé chez moi, merde. On serait sur Hangout à la limite, je dis pas. C'est hébergé sur mon serveur, quoi. Mais ça se trouve, en fait, je pense que Xav, il a dû mettre son truc en détection du volume, et il est juste à la bonne distance du micro pour pas que ça marche. Non, je pense qu'il silonne trop, mais bon. Ah, tu penses que c'est ça? Mais pour l'instant, là, ouais. C'est plus silonné à ce niveau-là. Ah bah, c'est ça. Bon, Xav, on t'entend pas, mais c'est pas grave. Donc du coup, on n'a pas le... C'est mieux? Oui, mieux. Ah oui, oui, voilà. Donc j'ai coupé à quel moment? Bah au moment où tu nous disais qu'il était coupable. Ouais, donc... ça recoupe évidemment à ce moment-là. Il va se faire backstab par le coupable. T'es sûr que tu joues pas avec le volume? Je veux dire, c'est énorme. Mais en fait, mais c'est exprès, c'est suspense. Non, mais on vient de mettre la chanson et je me balance. C'est ça. Je me balance, je te balance. Bon, balance dans le chat, balance dans le chat qu'on ait la réponse. Ce suspense, c'est pas sûr qu'ils nous entendent mieux. Hein. Non, mais il y a un petit bug comme sur Podcast Addict parce que là, je suis passé à 150 et j'ai toujours pas la réponse. Hein. C'est un livre audio. Les podcasteurs, le podcast, l'apéro ne sont pas coupables. C'est ça le pire, quoi. Sinon, petit point technique, juste 3 secondes. Xav, t'es en push to talk ou t'es en mode continu? T'es en quoi pour que ça chie comme ça? En synonage actif, c'est la nouvelle option de Mumble. En continu, putain, mais c'est pas normal que ça soit en continu. Bah, il est pas en continu, la bouche serait ouverte en permanence. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un problème de connexion. Ouais, je pense que t'es pas en continu, tu dois être en non, non, c'est volume. Pas ça, arrête. Non, mais c'est pas possible, il met pas mieux. Ça vient d'un problème de connexion internet. Y a ton voisin qui siphonne le wifi. C'est ça. C'est bizarre. Oh ouais, tu télécharges des podcasts. C'est pas des problèmes techniques comme ça qui arrivent à Techcraft. C'est des problèmes d'Internet. Chaque semaine, on a d'autres problèmes techniques, mais... Kenton, vous avez jamais de problèmes techniques, vous? Bah, sur 150 épisodes, je crois qu'on a à peu près testé tous les problèmes techniques possibles dans le monde d'Internet. Hein. Donc, est-ce que vous avez oublié donc plusieurs dans la même émission? Oui, c'est ça. C'est comme je dis toujours, quand on n'a pas de problème technique, c'est que ça va être une mauvaise émission. Il te manque plus que l'attaque terroriste. C'est pas faux, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on cumule des fois, c'est ça qui est bien. C'est drôle. Mais parle pas de malheur, hein, j'habite un bâtiment public très très fréquenté, ça pourrait un jour arriver. Donc, Non, ils vont pas nous enlever Kenton quand même. En tu plus, as mal aussi ou pas? Pile au moment où Xav revient, quoi. Donc Xav, en fait, vous il a été déconnecté. Ouais. Pour l'instant, oui. Mais bon. dis pas des trucs sensibles. Ah bah non, tant pis. Non, ça déconne. Ah merde, ouais. Bah, il a des problèmes de connexion. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause quiz. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, chic alors. Qui a préparé un quiz? Manqué. Bah, ouais. J'ai toujours mon info ou un tox. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Gris. On fait des équipes comme la dernière fois, c'était rigolo. Ah oui, ça avait été vite avec nous. Ouais. Alors, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et non, mais merde, il y a des 13 avec l'autre Damien. T'as compté Super User? Ouais, non, j'ai pas compté Super User. C'est pas grave, on fera une équipe de 4. Comme ça, j'aurais deux voix, moi. Donc, on fait toujours de la science ou on fait autre chose? De la quoi? Si c'est de la géographie, je veux pas. Tu peux faire sinon, j'ai lu géographie, je peux. J'ai lu Stucru. Tu veux pas faire du cinéma plutôt? Non. Lu Stucru, c'était bien. Gastronomie. Lu Stucru? Ouais, c'est-à-dire l'aurais-tu cru en fait. Mais avec une conjugaison de merde. Ah! Ouais, bah on va faire ça, ouais. C'est des faits en général de plein de trucs, de machins. C'est des faits. Alors, il y en a un qui joue avec un goulot de bouteille, là. Oui, oui, oui. Oui, ça fait très mal aux oreilles. Il faut pas. Voilà. Alors, donc, on va commencer par l'équipe Anna Azertov Blast. Ok. Tant qu'à faire. Et donc, on va commencer par la première question, c'est la barre du dollar est à l'origine un I, celui du mot silver signifiant argent en anglais. Donc du coup, ça ferait SI pour silver, le symbole dollar. Est-ce une info ou une intox? Oh, Anna. Sachant que, attention, il peut y avoir des fois, alors là c'est pas le cas pour là, mais il peut y avoir des explications qui sont foirées, ouais. Sur un truc qui est vrai.
Prenons l'exemple de la dernière fois où on avait eu qu'un éclair pouvait tomber sur une voiture et qu'on était protégé dans la voiture à cause des pneus, alors que non, c'était à cause de la carrosserie. Donc c'était un tox. Voilà, exactement. Donc là du coup, je répète la question. Donc la barre verticale du dollar est à l'origine un I, celui du mot silver, signifiant argent en anglais. Est-ce un faux ou un tox? À mon avis, c'est faux parce que le sigle du dollar, le vrai sigle du dollar, il y a deux barres. Exactement, c'était à ça que j'étais en train de penser. Je pense, donc, je retrouve, je crois, aussi sur le sigle du cent, où tu as les deux petits kikis en haut et en bas. Des kikis. C'est un séparé. Des kikis, donc. Oui, oh bah, je sais pas, j'ai pas le vocabulaire adapté pour parler de numismatique. Oh là là, ouais. On sort des mots compliqués. Mais quel enfoiré, celui-là. Non, mais nous, on est comme ça. Hein. Vous êtes des numismates. Des numismates, man. Des numismates. Donc, ouais, Azertov, t'en dis quoi? Je suis d'accord avec Blast, je dirais que c'est un tox aussi. Mais qu'il y a un truc, ça veut dire... Il y a un truc... Ouais, moi je vous suis, ouais, j'ai pas vraiment. Mais de toute façon, il a deux comme la barre, alors qu'on dit qu'il y en a deux, donc c'est forcément faux. Voilà. D'accord. Donc, vous dites un tox. Ouais, très bien. Ensuite, Cobal, Laurent et Kenton. Ah, tu donnes pas la réponse tout de suite? Non, je la donne à la fin. C'est beaucoup plus drôle. Ah, c'est moisi comme le duel, quoi, finalement. C'est ça. Non, c'est pire, parce que là, c'est des points négatifs. Ah, merde. Bon, vas-y, alors. Je vois pas l'intérêt. D'accord. Je vois pas l'intérêt. Impeccable. Bonsoir, Denzel. Le cerveau de Léonard de Vinci est conservé dans du formol au château d'Amboise. Oh, moi, je dirais un tox, parce que même Einstein, ils l'ont pas conservé. Je crois que j'ai fait Amboise et ça me dit rien comme ça de tête. Alors, je vais me tromper là grassement, mais non, moi, je dirais un tox aussi. Moi, je connais que la confiture de Amboise. Moi, ça ne me dit absolument rien. T'es pas interdit de jeu de mots, toi? Non, il est chez lui. Je suis chez moi, exactement. Parce qu'on est interdit de jeu de mots? Non, mais Randall, il a un traitement particulier. Ouais, ça, c'est sûr. Il a pas le droit d'en reprendre, il est tombé dedans étant petit, et chez lui, les effets sont permanents. Mais je ne suis pas gros. Donc, vous dites donc, tous... Un tox, ok. Du coup, ça donne Randall Flag, Seven et Titours. Non? Oula. Je me suis décalé. Non, c'est non, bon, c'est ça? Oui, ça. Donc du coup, le de Nîmes, la toile de Jean, doit son nom à la ville de Nîmes, pour savoir c'est ma ville de naissance. Donc c'est pour ça que je choisis cette question. Alors, info ou un tox? Moi je dis info, mais qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Moi je suis d'accord, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Voilà. Je passe mon temps à regarder Discovery, Channel et compagnie, et comment c'est fait, il y avait un truc sur les jeans. Ouais. Ok. Et je me suis dit, mais t'es débile de dire que ça vient de là. Je ne porte que des jeans toniques, personnellement, mais... Vous voyez pourquoi c'est pas des chouettes. Qui est drôle. Du coup, mais comment ça se fait, tout à l'heure on était trop et puis là maintenant on n'est pas assez parce que mais oui, j'ai vu que Yo de la Design était parti, mais il y a forcément une deuxième personne qui est partie. Bon, c'est pas grave. Bah, Xavier est en muet, donc il n'y a plus d'autres équipes après. Bah ouais, c'est chelou. Xavier, on va pas comprendre la réponse. Alors, qu'est-ce que comme disait Zao, c'est chelou. Donc, et ben du coup, Super User, Titour, Sexav, vous jouez ensemble. Je joue encore trop fort. On n'oublie pas on n'offre pas un bouquet d'œillets à une comédienne dont on a apprécié la prestation. Info ou un tox? Je crois que c'est vrai, ça, je l'avais entendu dans les grosses têtes ou je sais plus où. Oh putain, les références, quoi. Bah, je suis désolé, mais je trouve des références. Ça dépend, c'est les grosses têtes sont requiers ou... Parce que là, tu vas te décrédibiliser quand même, hein. De quoi? Les grosses têtes sont requiers ou... Ah bah oui, j'écoutais pas avant. Ah. Donc tu feras gaffe, tu viens de faire tomber ta crédibilité. Si tu pouvais la ramasser, ce serait cool. Rien à foutre. Bon, donc, alors, le mot de la fin? Moi, je dis que, ouais, non, faut pas en offrir. Donc oui, c'est superstition, c'est pas bien. Ok, c'est la réponse de l'équipe. Oui. Ouais, ouais. Mais qu'en pense Super User? Écoutez-moi, les mecs. Ok, bon, bah donc j'ai les réponses de tout le monde. Alors, l'histoire de la barre du dollar. Pesos. Il n'y a qu'une barre. Vous aviez dit un tox. Et bien, vous aviez raison.
Si maman si, silver signifie bien argent. Le symbole chimique qui est de celui-ci est Ag et Si désigne le silicium. Voici la thèse généralement admise. Sur les piastres qu'amenèrent les Espagnols en Amérique, on voyait un blason représentant l'ancien monde, l'Europe, et le nouveau monde, les Amériques. Blason entouré de deux colonnes autour desquelles s'enroule une banderole, portant la devise plus ultra. Au-delà, pour signifier qu'il y avait bien quelque chose au-delà des colonnes, en l'occurrence les colonnes d'Hercule, montagne bordant le détroit de Gibraltar et symbolisant la frontière entre le monde civilisé et le monde inconnu. Et dans j'ai rien compris. La banderole. La banderole s'entourait et formait un S autour de chaque colonne. Le symbole dollar fut repris par les marchands et s'imposa lors de la création du dollar américain en 1785. En gros, les gens ils imaginaient qu'il y avait deux colonnes d'Hercule au fin fond du monde, là où le monde s'arrêtait, et ils sont aperçus qu'il y avait autre chose après, et ils ont mis une banderole tout autour pour dire que c'était au-delà d'eux, et voilà, c'était ça, jamais et c'est pour ça le symbole. Donc ça n'a jamais été un S, ça a été une banderole tout autour. Génial. Ouais, c'est génial. Le cerveau de Léonard de Vinci conservé dans du formol au château d'Amboise, vous aviez dit intox, et vous aviez raison. Il était décortiqué. Il est conservé au Clos Vissé. Bah oui, c'est ce que je me dis, si ça avait été de son sens, ça aurait été au Clos Vissé. Ouais. Si le génie florentin est bien mort, non loin du château d'Amboise, au Clos Lucé, il était venu vivre à l'invitation du roi François Ier. Il fut inhumé en l'église collégiale Saint-Florentin. Celle-ci fut détruite pendant la Révolution et les restes présumés du peintre furent alors ramenés dans l'enceinte du château en la chapelle Saint-Hubert. Entre autres. Le cerveau n'a pas été extrait et conservé, contrairement à celui d'Einstein qui baigne découpé en 240 morceaux dans du formol. Il aurait fallu s'armer pour découper celui de Léonard de Vinci. Ouh. Oh là là. C'est des techniques de Randall. Donc c'est pas Laurent qui est. Laurent, tu peux nous dire ça envoie du lourd ma gueule? Moi? Ouais. Ça envoie du lourd ma gueule? Ça envoie du lourd ma gueule. C'est pas loin, j'avoue, c'est vraiment pas loin. Juste, je dois envoyer à notre ami TMDJC qui s'est encore fait têche du chat, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je dois lui renvoyer les identifiants de connexion, donc veuillez chanter une petite musique en attendant. Mais attends, mais je lui ai envoyé, moi, il y a pas longtemps. D'accord, ben je veux bien que tu lui envoies ce que j'ai envoyé. Une petite bête. Il l'aura replay. D'accord, bon, et ben envoie-lui. Donc, pour les histoires de la toile de Nîmes, la toile de Jean qui doit son nom à la ville de Nîmes. Où je suis né, j'en profite pour le replacer. Ville. C'est vrai. Alors, Lévi-Strauss, un Allemand, immigre aux États-Unis et se lance dans les affaires en 1853 à San Francisco, où la ruée vers l'or californien fait rage. Les mineurs se plaignent de ne pas avoir de pantalons assez solides pour le travail dans la boue. Des coupes dans la toile. Lévi-Strauss fait venir de France le Serge de Nîmes. Un mélange de laine et de soie très résistant. Les poches craquent encore un peu trop souvent. On les renforcera avec des rivets en cuivre en 1973. Le denim jean sera la plus belle pépite découverte cette année-là. Et donc, c'était une info. Oh là là, qu'est-ce qu'on voit. Ouais, clairement. Ensuite, on n'offre pas un bouquet d'œillets à une comédienne dont on a apprécié la prestation. C'est une info, effectivement. Si vous décidez d'offrir des fleurs à votre actrice préférée, évitez les œillets. En effet, lorsqu'un dirigeant de théâtre voulait renvoyer une comédienne dont la prestation n'était pas à la hauteur, il lui déposait un bouquet d'œillets dans sa loge. Fleurs moins chères que les roses destinées aux actrices dont le contrat serait reconduit. Ça me rappelle un peu le truc du mec célibataire dans un château, ça, où, voilà, le bachelor, c'est ça. Cela s'appelle un cadeau empoisonné. Quand elles partent en rien, elles ont même pas de fleurs, hein. Tu dégages. Par contre, après, je comprends pas pourquoi ils disent au Portugal cette bonne résolution vous évitera une révolution. Parce qu'il y a une révolution des œillets. Ah oui, c'est vrai, putain. Effectivement. Bravo la culture. Ouais, non, mais ça va. C'est ça comme va. La confiture. Quand exactement. On l'étale. Bon, bah, deuxième. Après, on l'étale. On fait un deuxième round, puis s'il y a personne d'éliminé, on arrête. Donc, parce que t'en as là. Ouais, parce que sinon, on va y passer 3 heures. J'ai répondu, je vous ferai 2 fois. Alors, j'ai trouvé 3 questions qui sont un peu marrantes. Anna Zertov Blast, la chaise électrique a été inventée par un dentiste, vrai ou faux? Ça y ressemble, hein? C'est pas faux. Ça ressemble à du faux ou à du vrai? Vrai ou faux, ça y ressemble. C'est un dentiste qui était aux fraises. Oh là là. J'ai envie de dire oui, mais... Ouais, moi j'allais plus dire non, mais bon...
Moi, j'avais envie de dire Osef. Oui, non, ne se prononce pas. Ouais. Moi, je vais les dentistes slick, donc c'est possible. Ouais, je suis assez d'accord avec cette sensation. Ça se tient. Pas, oui, allez. Équipe, c'était okay, pour voilà, endormir le patient, allez. D'accord. Donc, je sais pas où tu vas chez le dentiste, toi. Hein. Donc on part, on part sur un dentiste au courant, très bien. Il voulait juste rester au courant de sa profession. Vous êtes méchant, je trouve. Ouais, je t'ai battu de 5 secondes, t'écouteras le replay. Il n'y a pas de quoi être fier quand même. Hein. Ah ouais, c'est clair. Je demande l'arbitrage. Même moi, j'ai pas osé la faire. Donc ensuite, Cobal, Laurent et Kenton. Oui. Aux États-Unis, le numéro gratuit 555-55555, facile à composer, est réservé pour que les enfants puissent appeler le Père Noël. Non, moi j'y crois pas. Info ou intox ? Je suis pas convaincu parce que je suis pas sûr qu'il existe ce numéro. Le Père Noël ou le numéro ? Et d'abord, je veux remarquer que les numéros de Père Noël, ils sont pas gratuits. Hein. Tu peux écrire au Père Noël gratuitement, mais pour le téléphoner, ça te coûte toujours du blé. Donc, info ou intox ? 555, c'est pas les numéros qui sont utilisés dans les intox. Films. Si, alors, l'indicatif 555, c'est utilisé dans les films souvent. D'ailleurs, il y a une très bonne blague là-dedans dans Last Action Hero. Last Action Hero, ouais. Exactement. Donc, moi, je suis pas convaincu l'histoire du Père Noël. Non, moi non plus, non. Je crois pas au Père Noël. Parce que déjà, c'est 36-15 Père Noël, alors déjà, c'est pas Non, mais c'est aux États-Unis. Combien d'enfants ? Aux États-Unis, Kent. Est-ce que 36-15 Père Noël ? Non, ça marche pas non plus. 08-35-65-65-65. Ok. Bon, donc 36-15, c'est le Minitel, hein, c'est en France. Ok. Donc, Kenton. Non, Randall Flagg 7 et Titours. Mark Zuckerberg est daltonien. Le fond Facebook est bleu car c'est la couleur qu'il distingue le mieux. Info ou intox ? Je crois que c'est vrai, mais je suis pas. Flag, c'est pour toi ça. Hein. Pour ça que je l'ai calé spécialement pour qu'il y ait Randall Flagg dedans. S'il se gaufre sur une question de daltonien, c'est drôle. Bah c'est normal. Faut savoir que c'est pas des gens comme nous. Si je confonds une question de daltonien, ça c'est. Non mais c'est un truc. C'est pas des gens comme nous quand même. Mais je crois que c'est vrai. Moi j'en veux. Ouais, je crois que c'est. Bah oui, enfin ça paraît logique, donc oui. Ouais. Ok. Les daltoniens, c'est Joe, Jack, William, c'est William et Avril, non ? C'est ça, exactement. Et ensuite, Marc. TMDJC... Non, mais il y en a 101 des daltoniens, alors on peut toujours compter. TMDJC et Xavier, TMDJC depuis son mobile, suite aux multiples problèmes de connexion. Le mot geek n'a pas été inventé récemment, il désignait autrefois les monstres de foire. Donc je la refais parce que c'était pas très clair. Le mot geek n'a pas été inventé récemment, il désignait autrefois les monstres de foire. Info ou intox ? Intox. T'as pas entendu, mais ils ont dit intox. Parce que les deux, ils ont dit intox ? Ah, je sais pas. D'accord. Et bon. Xavier a répondu sur le chat. D'accord, donc intox pour les deux. Très bien. Bon, et c'est le dernier tour hein, parce que vous faites chier. Donc, alors. Excuse okay. Notre surpuissance. Hein. Donc, effectivement, la chaise électrique a été bien inventée par un dentiste. Putain, hein, les États-Unis cherchaient une alternative à la pendaison, jugée trop cruelle et surtout pas assez efficace. Oh, c'est sûr. Mais en quoi je vais demander. Je suis dentiste, je vais vous inventer un instrument de torture. Et bien justement, j'ai toute la petite histoire si tu veux bien. Bah, c'est son médecin. C'est un dentiste qui a eu un changement de carie hier. Oh, oh là là. Bon, donc Thomas Edison vantait alors les vertus du courant continu et George Westinghouse faisait du courant alternatif l'avenir de l'homme. Ni l'un ni l'autre ne voulut se mouiller directement en associant son nom à une invention peu porteuse en termes d'image de marque. Je crois qu'ils n'avaient pas voulu tester eux-mêmes. Probablement. Edison chargea donc Harold P. Brown et Alfred P. Sopwith, un dentiste, de proposer une méthode alternative à la pendaison. La chaise de dentiste servit de base, il suffit de la relier au courant et William Kemmler en fit les frais le 6 août 1890 dans des douleurs dignes de la ligne verte. Depuis une trentaine d'années, l'injection létale est préférée, mais la chaise du dentiste continue à faire flipper des générations d'innocents. Donc vous aviez effectivement raison, c'était une info. C'était une info ou ça ? C'était une info, exactement.
Donc, mais aux États-Unis, maman, putain. Aux États-Unis, le numéro gratuit 555-555-555 sert à appeler le Père Noël. Vous aviez dit un tox et vous aviez raison. C'est une belle histoire, mais elle est fausse. Les numéros commençant par 555, surtout suivis de 01, sont rarement attribués. Ils sont réservés, comme le disait Laurent Doucet, ils sont réservés aux œuvres de fiction télévisuelle, cinématographique, de sorte qu'un numéro mentionné au hasard par un auteur ne déclenche pas un déferlement d'appels vers un particulier. En Thaïlande, le 5 se dit « ha », et donc 555 est donc utilisé pour les ados pour exprimer le rire, c'est le LOL local. Amusant. Oh la vache, on se couchera moins con. Hein. Et alors que le Père Noël, c'était... pas du luxe. C'est pour ça qu'en tapant 555, je voyais plein de photos de John. Il y en a qui font des recherches en parallèle, c'est crade. Ouais, comme c'est pas correct, c'est vrai. Ensuite, l'équipe avec le capitaine daltonien. Vous aviez répondu info en disant que Mark Zuckerberg était daltonien et que le fond bleu de Facebook était choisi parce qu'il le voyait le mieux. Sachez-le, c'est aussi le cas pour Pod Radio. Hein. Info, le créateur du réseau social mondialement connu souffre d'une forme de daltonisme accru sur le déficit rouge-vert. Donc en fait, comme moi. Et comme on a le flag, du coup, apparemment, on est daltonien. C'est, pareil. C'est le daltonisme le plus commun. En même ouais, temps. Aussi, ça joue. Les murs chez lui sont peints en beige et bleu, sauf la cuisine qui est d'un jaune vif. Vous savez tout. En revanche, il distingue facilement toutes les nuances de bleu. Mais son groupe de musique favori est Green Day. Pas schtroumpfement logique tout ça. Il devrait aimer le blues, la java bleue, les mots bleus et Blue Hotel. Voilà. Oh la vache. Blue, blague sur couleur, de toute façon, je cautionne pas. Et donc tous les daltoniens nous pourrissent le monde, c'est ça un peu l'idée. Exactement. Et ensuite, t'emmerdes personnellement. Et ensuite, TMDJC et Xavier, vous aviez dit que le mot geek avait été inventé récemment et qu'il ne désignait pas donc les monstres de foire. C'est-à-dire que vous aviez dit que l'info inverse était une intox. Et en vrai, en fait, si, c'est fait dans le passé, ça a désigné les monstres de foire. Effectivement, en marge des cirques, il existait souvent des expositions annexes où s'exhibaient des gens difformes, femmes à barbe, hommes dits sauvages, rugissant dans des cages, vêtus de peau de bête. Le terme s'est étendu en 1920 aux États-Unis aux gens décalés, mal intégrés dans la société. Plus récemment, il s'applique plutôt aux passionnés de domaines comme l'informatique, la science-fiction, etc. Le thème est plutôt positif, alors que nerd est tout autant passionné, mais cette passion l'isole et il devient asocial. Le no-life, lui, comme son nom l'indique, n'a plus de vie tellement sa passion est dévorante. Au Japon, l'équivalent du geek est l'otaku, généralement otake sur les mangas. Ils sont très très forts. Voilà. C'était tout pour le petit donc quiz. On est vraiment pas couché, quoi. Non, mais on va s'arrêter là. D'accord. On va juste tout désigner. Gagné. On va juste désigner deux perdants, c'est pas grave. Bref, je voulais vous soumettre une deuxième question. S'il y en a qui veulent aller se coucher, c'est le moment de décrocher ou de raccrocher, en l'occurrence. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme on le fait traditionnellement au moment de la deuxième partie. C'est la première partie. Bonne soirée. Chou. Je vous écoute un petit peu quand même. D'accord, il y a pas de souci. N'hésite pas.